Nếu với anh em hẹp vô vị thôi, khi nào chọn giày thì cần phải chú ý điểm gì? Chuyên bình Nhật. Em thấy cái thầy lật cái mặt đằng sau ấy ạ. Cái bạn Nhật đấy là bạn chuyển thành bạn Nghĩa gì ạ? Bạn ấy học lại năm 3 rồi ạ. Nhầm bạn Nghĩa đúc rồi. Thế sao các cậu không đánh tới một cái danh sách nó... Đây em có cái danh sách xịn hơn này ạ. Đưa đi đưa này. Đưa cái thầy. Tức là điểm danh. Nơi tớ đến vội quá tớ đưa cái đấy. Đây là giáo viên một cái tờ giấy như thế này. Đến đang đi học ở đây. Thì là cái này. Có thiếu giấy không? Tớ viện trợ đâu cậu cùng. Có. Có. Thế này. Khi nội soi đã thấy dạ dày dạ. Bây giờ bạn Nam bạn bảo là với chẩn đoán như này bạn mới cho đi làm soi dạ dày. Em có đồng ý không? Dạ có. Câu hỏi của tôi là đối với những bệnh nhân hẹp môn vị này thì soi có khác gì so với những bệnh nhân khác? Nó khác gì? Ống soi không qua được. Nó khác với bệnh nhân khác là gì? Trong dạ dày có những bệnh nhân bình thường thì 6 giờ là thức ăn nó đã xuống hết rồi. Còn bệnh nhân hẹp môn vị thì sau thức ăn nó sẽ trứ đậm ở dạ dày. Cứ đọc là dày lên, nó đau bụng, nó nôn ra, nhưng nôn đấy có đảm bảo là hết sạch thức ăn dạ dày không? Thì nó không đảm bảo vì dạ dày là dãn rất to. Nhưng cái bào và cái trương lực của nó rất kém. Thì vậy những cái bệnh nhân mà hẹp môn vị trước khi soi bây giờ mình phải chuẩn bị làm một cái động tác, người ta gọi là động tác là gì? Rửa dạ dày. Rửa dạ dày. Nó sẽ dùng cái sông to đổ nước vào, đặt vào đổ nước và sau đó thì bơm xúc rửa thì mới soi được. Chứ còn với những bệnh nhân mà hẹp môn vị các bạn cho ống soi vào gắp thức ăn là chả đi đến gì cả và coi như là mất hỏng luôn cả cái bộ dụng cụ lại một lần soi là bệnh nhân tính tiền một lần. Rồi Hoàng Thị Quỳnh, bây giờ soi dạ dày thì hy vọng mình cái gì và ý nghĩa của việc soi dạ dày là để làm gì? Dạ soi dạ dày thì mình có thể quan sát được để định hướng nguyên nhân của bệnh nhân, có thể là do loét, ổ loét hoặc là nhìn thấy khối u xoắn chỗ ạ. Loét và u xoắn chỗ thì nó khác gì nhau trên hình ảnh soi? Em thấy là loét thì nó là tổn thương. Em đã bao giờ nhìn thấy hình ảnh loét chưa? Hẹp môn vị do loét chưa? Loét ấy nó sẽ khác so với cả hình ảnh của ung thư ở chỗ là gì nhất. Nếu là ung thư thì tổ chức nó sẽ là tổ chức sùi, tổ chức mụn, chặn vào dễ chảy máu, khối nó chèn cái đường xuống làm cho cái máy soi có thể qua được hoặc là không thể qua được. Thế còn cái hình ảnh của cái loét hẹp môn vị do loét thì mình sẽ nhìn thấy cái gì? Mụn. Sẽ nhìn không thấy mụn, không thấy chảy máu mà thì có thể nhìn thấy các hình ảnh của cái sẹo sơn. Nó loét, nó co kéo, gây biến dạng. Và sao máy soi không có được dạ dày thì dạ. Như vậy là trên hình đại thể sẽ phân biệt được cái này là định hướng đến ung thư hay định hướng do viêm loét lành tính. Nhưng mà đấy chỉ là gì? Để tham khảo thôi. Thế còn vấn đề quan trọng nhất là mình phải sinh thiết làm tế bào học để chẩn đoán. Như vậy là đến đây, khi mà sau các bạn soi xong, các bạn sinh thiết, các bạn có kết quả là các bạn đã có được gì? Chẩn đoán xác định của bệnh, không cần phải làm thêm cái gì nữa. Các bạn có chẩn đoán xác định là bệnh nhân hẹp môn vị, sinh thiết trả lời là ung thư, chẩn đoán xác định là gì? Hẹp môn vị do ung thư dạ dày. Được chưa? Thơ nè. Thế với cái chẩn đoán xác định như thế thì bây giờ mình tiếp tục làm gì tiếp? Chào anh, thưa nhân. Ở bệnh nhân này hẹp môn vị thì phải làm, do bệnh nhân nôn nhiều nên phải làm cả tiệm giải đồn, công thức máu trước đã để hồi sức cho bệnh nhân. Sau đấy nếu có chẩn đoán là ca dạ dày rồi thì sinh thiết ra để phân loại TNM để điều trị tiếp. Sinh thiết để phân loại TNM là à, sinh thiết với cả làm bi long mở rộng lên về chụp cắt lớp. Sinh thiết thế nào để phân loại được TNM?
sinh thiết để xem. Các bạn rất là hay nhầm. Vâng. Nhầm cái chỗ này tức là gì? Khi các bạn soi, các bạn sinh thiết là các bạn làm tế bào học, chứ các bạn không phải làm về mô. Tức là tế bào học nó chỉ trả lời cho các bạn là có tế bào ung thư hay không. Thế còn sinh thiết thì không thể trả lời được là giai đoạn bệnh là chỗ nào cả. Mà giai đoạn bệnh muốn trả lời được thì người ta phải gì? Cắt cái u ra, gửi nguyên cả cái u đấy xuống. Cắt cái lớp ra thì nó mới trả lời cho bạn là T mấy, N mấy. Đấy nên mình phải đặc biệt để ý cái đó. Chứ soi sinh thiết chọc thì là chỉ là tế bào học thôi, không thể chẩn đoán được giai đoạn bệnh. Chưa? Tùng nào. Tiếp theo cậu làm gì? Em thấy là có bilan về điện giải xong thì làm cái trước khi bổ vị điện giải xong thì làm cái các xét nghiệm để nếu mà bệnh nhân có phải mổ thì sẽ làm những cái xét nghiệm để chuẩn bị cho cuộc mổ. Đông máu á, kiểm tra tim mạch ạ. Đi sai hướng rồi, chạch đường rồi. Tôi là bác sĩ đúng không? Tôi cần chẩn đoán bệnh nhân này. Một, tôi chẩn đoán xác định. Từ chẩn đoán sơ bộ tôi đi để tôi làm chẩn đoán xác định. Chẩn đoán sơ bộ của bạn là hẹp vùng vị theo dõi cho ca dạ dày. Tôi cho làm nội soi để tôi chẩn đoán xác định bệnh là có phải là ung thư hay không. Nếu là ung thư, tiếp theo tôi phải làm gì? Tôi chẩn đoán xem giai đoạn bệnh này là giai đoạn nào. Tôi không đi làm đông máu, không đi làm điện giải gì cả. Tôi phải có cái chụp của tôi. Một, chẩn đoán sơ bộ. Hai, chẩn đoán xác định. Ba, chẩn đoán giai đoạn bệnh. Bốn, chẩn đoán gì? Khả năng phẫu thuật. Vậy thì giai đoạn bệnh để chẩn đoán được thì người ta sẽ dùng các cái phương tiện là gì? Đức Anh. Dùng phương tiện nào để chẩn đoán giai đoạn bệnh? Đấy là gì? Đấy là điều trị rồi, đấy là đang làm chẩn đoán rồi. Tôi với bệnh nhân này tôi chưa biết là phải mổ hay không, tôi chưa quyết định mổ hay không, nhưng sao tất cả khẩu u ra được. Để chẩn đoán giai đoạn bệnh người ta sẽ dùng gì? Chẩn đoán hình ảnh. Bây giờ người ta sẽ cho chụp phim cắt lớp, có thể cho chụp cộng hưởng từ, tùy vào các cái mình cần đánh giá cái gì để mình chỉ định. Vậy thì trên cắt lớp vi tính người ta sẽ trả lời cho mình là dày thành bao nhiêu cm, trên đoạn dài bao nhiêu, đã xâm lấn đến lớp nào, có nhiều hạch hay không, kích thước của hạch là như thế nào, có các tổn thương di căn ở các tạng xa hay không, và từ đó Cường thấy Tâm bảo là ghét dày đấy. Ủa. Đấy, từ những cái hình ảnh đó chúng ta sẽ đưa ra một cái gọi là chẩn đoán giai đoạn trên chẩn đoán hình ảnh. Và cái giai đoạn này chỉ là gì? Giai đoạn mang tính chất gì? Gợi ý cho mình để làm sao mình đi tiếp với chẩn đoán nữa là chẩn đoán khả năng phẫu thuật. Xem là có phẫu thuật được hay không. Bởi vì sao nếu có những cái ung thư dạ dày mà đã có di căn xa rồi mà không có biến chứng thì người ta sẽ làm sao? Người ta không mổ vội, người ta sẽ không cắt cái khối u ấy làm gì cả, người ta phải điều trị hóa chất để khu trừ các cái tổn thương di căn đã. Bởi vì nếu mà bạn có mổ hay bạn không mổ thì bạn không thể làm thay đổi cái thời gian sống thêm của bệnh nhân. Vì vậy cái việc mổ của bạn là một việc vô nghĩa. Bạn hiểu không nhỉ? Như vậy là mình đã đi được đến gì? Chẩn đoán giai đoạn bệnh. Giai đoạn bệnh bình thường người ta sẽ dùng chẩn đoán hình ảnh. Sau đó mình sẽ làm cái chẩn đoán thì khả năng phẫu thuật thì bắt đầu bây giờ này các bạn. Khả năng phẫu thuật thì phải gì? Phẫu thuật thì làm sao? Điện giải không được rối loạn này, đông máu phải đầy đủ này. Đấy, lúc này các bạn mới bắt đầu đi làm các cái kia. Và từ cái trục chẩn đoán đấy các bạn sẽ ra rất nhiều các cái mà mình cần phải làm tiếp theo. Xem bệnh nhân làm sao, có di căn hay không, có tổn thương di căn hay không,
với tổn thương di căn đấy mình có thể cùng một lúc mổ cả, lấy trọn cả tổn thương di căn hay không, để làm sao giải quyết vấn đề điều trị là phải sao triệt căn, lấy hết toàn bộ ung thư ra, cả ung thư nguyên phát ở dạ dày và ung thư ở chỗ khác thì mình mới mổ. Thế tuy nhiên trên quay lại trở lại với bệnh nhân này, thế anh à, thế anh làm bệnh án rồi đúng không? Bách này, bách đâu? Với theo em thì bệnh nhân này có cần phải mổ hay không? Dạ. Thế hỏi là bệnh nhân này có thể không? Quỳnh ơi, bây giờ nó mới báo là sinh nhật Quỳnh rồi. Cái lớp này hay nhỉ? Cứ ra một cái là lại rào. Bệnh nhân này đã có nội soi ở trên dưới, người ta đã chẩn đoán là loét sùi hang vị nhờ do ca và người ta đã sinh tiết 3 mảnh ạ. Lỗ môn vị thì không có xuống được, CT scan thì thấy hình ảnh dạ dày giãn và giãn đại biểu thận, có sỏi đại biểu thận trái, còn sinh tiết thì không có gì. Trả lời giải phẫu bệnh ở đây, người ta không trả lời giai đoạn cho em ạ. Dạ. Trong cái này như tôi bỏ. Đây thì ghi là giãn dạ dày, theo dõi dạ dày, theo dõi dạ dày. Dạ dày ra to, to trở trong túi dịch. Vùng môn vị dày thành, chỗ dày nhất là vùng môn vị. Bờ ngoài xương đều không nhiễm nhìn. Con thấy to xung quanh. Như vậy là nó hẹp môn vị thì không bao giờ ra được sớm hơn. Đó, với thông tin như đó thì em quyết định như thế nào? Đấy, như vậy là bạn nắm được tình hình biết của được, tức là gì, với những cái u mà làm sao nó đã gây biến chứng thì là bắt buộc là phải có chỉ mổ. Vậy những cái biến chứng của ung thư dạ dày có thể là cái gì? Chiến đâu chiến ba biến chứng lớn là xuất huyết tiêu hóa, là có bệnh nhân dừng 15 trước cái mổ cắt dạ dày do xuất huyết tiêu hóa. Xem biến chứng thứ hai là viêm phúc mạc, viêm thủng do thủng với những ba hẹp môn vị. Khi mà có biến chứng thì bắt buộc bệnh nhân kiểu gì cũng phải mổ. Là có bệnh nhân ón, bệnh nhân đấy là ung thư di căn hết toàn bộ. Trước mổ tôi đã chẩn đoán được là ung thư di căn, nhưng chúng tôi vẫn được mổ sao nó có biến chứng hẹp môn vị nổi ra để giải quyết cái vấn đề chăm sóc này. Đấy, các bạn cần phải biết được về chỉ định là khi mà có biến chứng, đã có biến chứng rồi thì kiểu gì phẫu thuật. Nhưng mà làm sao cái mình làm được cái gì trong quá trình phẫu thuật thì mình lại phải xem thêm. Nếu không nói như thế thì hẹp môn vị rồi thì đi chẩn đoán làm cái gì nữa, mổ đi cho xong. Các bạn sẽ phải chẩn đoán thêm các cái khác để phục vụ cho cái cuộc mổ của mình, các bạn chẩn đoán khả năng phẫu thuật. Xem rồi, bệnh nhân này có di căn xa không? Anh có di căn xa không? Dạ. Không. Thế với một bệnh nhân mà người ta có nghi ngờ, ví dụ chụp lên có nghi ngờ một cái khối nốt ở một vị trí khác thì mình làm cái gì? Gan, phổi. Gan, nếu mà gan thì em nên chụp MRI.
chuyện là dương. Tôi giả sử bệnh nhân này nếu mà gan có một khối 2 cm gan trái, bạn là có nhận biết có khối u đúng không? Khi các bạn có những cái khối các bạn nghi ngờ di căn, nếu nó di căn tại lan tỏa làm sao là những cái nốt thả vào toàn bộ gan, toàn bộ khúc mạc dịch cổ bụng, thì những cái đó các bạn hầu như 100% chẩn đoán đây là cái ung thư di căn chưa. Thế còn đối với những cái nốt, các cái khối và đơn độc các vị trí khác, các bạn đi xem bản chất của khối là gì. Khối này có phải là khối di căn từ dạ dày hay là khối này là hai ung thư trên một bệnh nhân, hay là dạ dày này là do khối này là di căn đến, không thể nói trước được đâu nhé. Thường thì từ dạ dày đi, nhưng mà có những trường hợp là từ chỗ khác lại. Để đánh giá cái bản chất đó thì bạn phải làm sao sinh thiết cái tổn thương này. Có một bệnh nhân đây nằm giường 20 Glasskin, có khối ở phổi, chúng tôi cho đi sinh thiết phổi. Đấy, nói các bạn xem, không phải có những bài học trong hôm nay mà tất cả các bệnh nhân ở trong khoa này đều là các cái bài học các bạn đi các bạn xem. Rồi Phạm Tuấn Đăng, thế nhưng mà bệnh nhân này đi mổ ra thì làm cái gì? Khi mình mở bụng bệnh nhân ra là mình lại phải làm chẩn đoán lại từ đầu. Khi mà mình mở bụng bệnh nhân ra mình lại chẩn đoán lại từ đầu, tức là gì? Thứ nhất, xem có di căn ở đâu, có những cái nốt khối trên phim không nhìn thấy, khi mổ ra nhìn thấy, xem là có di căn gan hay không, di căn khúc mạc hay không. Được chưa? Thế nếu mà có di căn gan, di căn khúc mạc thì làm sao? Các bạn phải xem khối u này có cắt được hay không. Không phải là các bạn chỉ nói là ai mở ra em cắt dạ dày, nhưng có những cái khối u nó xâm lấn ở trên, đánh giá mình không đánh giá được, xâm lấn hết và các cái tổn thương xung quanh thì không thể lấy hết được cái u đi. Ví dụ như bệnh nhân ón thì làm sao thì mình lại phải làm để giải quyết cái vấn đề tắc nghẽn, tức là có thể gọi nối vị tràng, đường quay ruột lên nối vào cái dạ dày phần còn lại để cho nó đi thông ăn xuống. Không nữa thì bạn làm gì? Mở thông hỗn tràng để cho bệnh nhân ăn. Đấy. Thế nhưng như bạn nói là em mà thấy là không ung thư thì em cắt 2/3, em mà thấy ung thư thì em cắt 3/4. Cắt 2/3, cắt 3/4 khác nhau ở chỗ nào? Cắt 2/3 dạ dày người ta chỉ gọi là gì? Chỉ điều trị cho bệnh nhân loét lành tính. 2/3 dạ dày là gì? Không có thắt mạch vị trái và
giới bảo từ đâu đến đâu là các 2 phần 3 từ đâu đến đâu các 3 phần 4 rất là khó. Rất là khó. Nhưng trong điều trị ung thư thái độ điều trị khác hẳn. Người ta phải thắt các cái mạch và người ta phải nạo vét thành rộng rãi. Diện cắt thì cách u phía trên ít nhất là 5cm, phía dưới là 2cm. Thường thì với những diện cắt như thế không có cái nào là dưới 3 phần 4 cả. Thế nên là cái khái niệm 3 phần 4, nhiều bạn cũng hỏi tôi là anh thầy ơi, đến đâu là 3 phần 4, đến đâu là 4 phần 5, đến đâu là 2 phần 3, nó không nằm ở đây. Nó phân biệt, nó không nằm ở cắt đến đâu. Người ta phân biệt là gì? Cái thức đấy là để điều trị bệnh gì? Với cái bệnh là sao? Ung thư sao phải cắt ít nhất là 3 phần 4, có các mạch và có nạo vét. Cắt 2 phần 3 chỉ là để làm sao? Điều trị các cái bệnh loét, chảy máu, lành tính hoặc thôi, hoặc kể cả biến chứng. Đấy, và bạn phải làm sao đánh giá. Thì cái đánh giá trong mổ nó là một cái nó hơi xa vời các bạn. Cao tiếp theo. Tóm lại là cái trong cái bài này tôi muốn giúp các bạn một cách gọi là mình là I4, cái mục tiêu của mình là gì? Chẩn đoán được bệnh và biện luận được chẩn đoán. Lớp mình rất khá hơn các cái lớp khác trước đây tôi giảng thì thường rất lung túng ở chỗ này. Các bạn có biết cách gì? Chẩn đoán. Đâu là tiêu chuẩn và chẩn đoán xác định cần cái gì? Chẩn đoán giai đoạn cần cái gì? Và chẩn đoán khả năng phẫu thuật thì cần cái gì? Đây cái chụp chúng đưa cho các bạn bám vào các bạn. À, bất cứ bệnh nào có thể đến với mình thì nó sơ bộ là gì? Bây giờ để chúng ta xác định bệnh này cần phải làm. Tiếp theo giai đoạn thì là và có mổ được hay không? Có phải mổ? Mổ thì làm gì? Thế nó sẽ mở ra cái hướng của bạn. Bệnh nhân này thì chắc là ngày mai sẽ thu gom mổ và xếp lịch. Nếu các bạn muốn xem học thêm thì có thể khi nào có lịch mổ các bạn lên các bạn xem. Câu hỏi gì không? Cái này là bệnh nhân này thì là được sinh thiết 3 mảnh ở bên dưới ạ. Thì câu hỏi nhất của em là 3 mảnh thì theo lý thuyết thì nó không đủ. Thì có mình có sinh thiết lại hay không? Về nguyên tắc này, người ta sinh thiết ý. Người ta thường các bạn đọc lý thuyết là ít nhất là 6 mảnh. Nhưng tuy nhiên là gì? Khi mà từ lý thuyết đến cái làm thực tế nó khác rất xa nhau. Thường thì người ta sẽ sinh thiết không đến 6 mảnh. Các bạn sẽ phải muốn sinh thiết nhiều mảnh, các bạn ghi vào yêu cầu. Bác sĩ là thật nhiều mảnh như thế. Bởi vì sao? Trong khi làm nội soi, chúng ta càng nhiều cái nguy cơ chảy máu càng cao. Và khi mà người ta làm được kinh nghiệm rồi thì chúng ta chỉ sinh thiết vào cái vị trí mà cần nghi ngờ nhất. Thường là từ ngoài nó làm 12 mảnh, từ ngoài 8 mảnh. Alo. Có việc rồi nữa. Maxium. Có chuyện gì? 5 đến 8. Cái này là vì sao bây giờ? Cái gì? Vì sao để cắt hàng ra vào tư cắt mạch thị trái là bắt buộc đối với tổn thương ung thư vì mình phải nạo vét hết toàn bộ cái trụ mạch từ này 8, 9, 10, 11, 7. Mới muốn nạo vét hạch ở đấy thì bắt buộc bạn phải nạo cắt cái mạch thị trái. Cậu là I4 hay sao? Khi nào bệnh nhân này mổ lên tôi sẽ giảm. Có cái gì nhỉ? Bệnh nhân này mổ lên tôi sẽ chỉ tận. Thôi từ này người lên được không thầy? Câu hỏi thứ hai của cậu là gì? Câu hỏi thứ hai của em là như hôm trước thì theo kiến thức cập nhật của một số thầy dạy tiếng Pháp thì tạ dày sinh thiết ít nhất 8 mảnh. Thì tôi đang nói với cậu rồi, đấy là vấn đề về lý thuyết. Từ lý thuyết đến thực tế nó khác nhau. Tùy cơ sở. Mình là bác sĩ không thể nào chỉ đạo những người sinh thiết. Người ta bảo là tôi sinh thiết nhiều mạch
nó nguy cơ dễ chảy máu, đến lúc chảy máu này tôi cấp cứu nó khó, cơ sở của tôi không làm được, cơ sở của tôi không có các cái trang thiết bị để cầm máu, nên tôi chỉ sinh như thế thôi. Thế còn về lý thuyết các bạn học ạ, phải làm ít nhất là 6 ngày. Câu hỏi khác. Alo ạ. Alo. Đang hỏi về cái gì? Đang hỏi nhiều. Các cản quang thì cũng làm gì? Trong sách nào của tiêu chuẩn vàng? Tiêu chuẩn vàng của cái gì? Để chẩn đoán cái môn vị, tiêu chuẩn của nó là gì? Uống thuốc cản quang và chụp lại sau 6 giờ là tiêu chuẩn để chẩn đoán hệ môn vị. Hiện tại chúng tôi cũng làm, nhưng bệnh nhân này không làm vì sao? Bởi vì chúng tôi cái vấn đề hệ môn vị của bệnh nhân này bây giờ không quan trọng. Có hẹp môn vị hay không, vấn đề của chúng tôi nghi ngờ như là ung thư, nên chúng tôi phải làm vi lăng của ung thư. Thì còn có hẹp môn vị tôi cắm sức dọa dày, tôi rửa sạch rồi, tôi soi rồi, tôi chả sợ cái gì về hẹp môn vị cả. Tôi không nghĩ nữa. Thế bây giờ cậu, cái việc cậu cho làm thêm một cái phim để cậu chứng minh là nó hẹp môn vị thì nó có làm thay đổi cái thái độ điều trị của cậu không? Thay đổi thái độ điều trị không? Không làm thay đổi thái độ điều trị. Bởi vì sao bệnh nhân này, tôi cái mà mục đích tôi nhắm đến để điều trị bệnh nhân này là điều trị ung thư chứ không phải điều trị hẹp môn vị. Hẹp môn vị là do ung thư, mà cái bệnh ung thư mới là cái bệnh mình cần phải làm đánh giá kỹ, mình cần phải làm kỹ để cả cái thời gian sống thêm. Những trường hợp cụ thể, thứ nhất là gì, tổn thương làm sao không có sùi lách, bệnh nhân ăn hay là mình đã động xoắn trước rồi. Và mình phải làm sao mình khảo sát xem mà nó có xuống được không. Một số bệnh nhân thì làm sao, cứ tuần trước, tháng trước tôi mổ bệnh nhân, tức là gì, hẹp môn vị, cắt một cái u dít dạ dày, nhưng sau đó làm sao ăn nó không xuống được, nó nôn ra. Thì đấy, cái đó cái giá trị của cái con 6 giờ nằm trong đấy. Tôi cho bệnh nhân uống thuốc, sau 6 giờ bệnh nhân thuốc vẫn còn dạ dày à. Như vậy là khi mình quét cái u mình đã làm hẹp cái đường xuống rồi. Và bệnh nhân nó là hẹp thì tôi mới chỉ định mổ. Nó có nhiều trường hợp khác nhau, nhưng mà cái ý nghĩa của nó là mình khảo sát xem là thức ăn trong dạ dày nó có lưu thông xuống ruột hay không. Và sau đó bệnh nhân đến mổ lại. Mổ lại thì sao? Cắt cái đoạn đấy đi, nối lại, bệnh nhân vẫn nôn. Bệnh nhân vẫn nôn thì bây giờ cậu làm gì? Lại cho uống thuốc tiếp, 6 giờ tiếp. Uống xong thì làm sao? Thuốc xuống hết, bệnh nhân vẫn nôn. À, như vậy là khi mình có cái x-quang 6 giờ đấy là mình đã giải trả lời được câu hỏi này. Cái nôn này nó không phải là do cái hẹp nữa. Vậy thì mình phải đi tìm cái khác để giải thích được cái nôn này. Và sau đó thì tìm ra là bà này là sao? Rối loạn tiền đình. Cho hai viên thuốc phát ở tiền ra. Đấy, như vậy cái giá trị của cái x-quang 6 giờ nó nào? Và nó phải tùy vào một trường hợp cụ thể. Thế còn đối với trường hợp này thì cái 6 giờ là chẳng giá trị, không có giá trị đấy. Câu hỏi khác. Thầy là bệnh nhân này thì trong hướng điều trị là bệnh nhân thường là được hồi sức và nuôi và bổ sung dinh dưỡng trước khi mổ. Bệnh nhân thì có thể thể trạng suy kiệt và được nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch. Và em hỏi là muốn đánh giá bệnh nhân như thế nào gọi là mổ được? Đánh giá kiểu gì? Như là đánh giá thì người ta sẽ theo dõi, người ta sẽ làm các cái chỉ số albumin, protein và prealbumin. Prealbumin là một cái yếu tố làm sao để đánh giá mức độ suy dinh dưỡng. Vì albumin ấy nó sẽ thay đổi rất chậm, nhưng một cái prealbumin thì nó thay đổi rất nhanh. Tức là gì, khi bạn được truyền dinh dưỡng vào nó ổn thì cái prealbumin thay đổi rất nhanh. Thường thì các bệnh nhân sẽ được đến nuôi dưỡng trong khoảng một tuần, cứ 3 hôm 5 ngày người ta lại đánh giá lại cái prealbumin. Khi cái prealbumin nó đã tăng ở mức độ bình thường rồi, bệnh nhân có tăng cân là mình đánh giá là có thể mổ được. Tất nhiên là nó không có một cái barem chuẩn nào để xác định cái đấy cả. Có những bệnh nhân sẽ được nuôi được hết 2 tuần, đến
khi làm sao không phải tăng cân được nữa, tức là mình thấy đánh giá là bệnh nhân này tôi nuôi nữa nó cũng không thể hơn được nữa. Cái đấy là chính là cái thời điểm mà chúng ta phải can thiệp cho con bú. Tức là bệnh nhân có chỉ định mổ rồi nhưng tôi chưa mổ ngay, mình xin giữ cho con nuôi, nhưng đến cái thời điểm tôi thấy là nuôi nữa cũng không thể lên được. Biểu hiện có gì pre-albumin tôi đã tăng hết cỡ, không tăng nữa thì là albumin của tôi không tăng nữa. Đúng, cân của tôi tăng rồi, không phải tăng được nữa. Thế nhưng các bạn muốn nuôi người ta đến trở về BMI bình thường 18-23 thì các bạn phải 5 năm nữa. 5 năm nữa thì làm sao chúng ta mất cơ hội để điều trị ung thư rồi. Thế mình phải vừa đánh giá thêm là thời gian là bao nhiêu để vừa cải thiện nhưng cũng không để mất cơ hội để điều trị ung thư. Bởi vì sao khi bạn mổ xong người ta ăn được, bởi vì người ta không ăn được, người ta ăn được thì cái cơ hội người ta phục hồi nó sẽ nhiều và nhanh hơn nhiều. Nhưng mà nó không có một cái cụ thể nào cả. Và nó cũng phải tùy vào tình hình. Các bạn thấy là bây giờ tình hình xã hội nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái điều trị. Có những cái cơ sở người ta làm sao bệnh nhân vào hôm trước tập, hôm sau thì phải mổ ngay. Bởi vì sao chờ lâu, bức xúc vì chỗ khác, mất bệnh nhân mổ. Thấy chưa? Có những chỗ người ta không tập trung đánh giá cái dinh dưỡng cho bệnh nhân, người ta bảo cái dinh dưỡng này không quan trọng, cứ mổ đi xong rồi hồi sức xong. Nhưng có những chỗ ví dụ như khoa tôi thì lại rất chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng. Có những bệnh nhân sẽ được nuôi 1 tuần 2 tuần, có những ông nuôi một tháng tăng 5 cân. Em thấy thì trước mổ thì em thấy bệnh nhân này chỉ có được chụp CT bụng, thế để mà một đánh giá giai đoạn thì mình cần phải chụp cả ngực với cả khung trậu. Đúng không? Khung trậu nó bao gồm trong cái bụng này, trong cái phim bụng rồi. Khi có cái ngực thì người ta sẽ không bắt buộc, người ta sẽ xem những cái phim phổi có cái đám nốt tổn thương nào nghi ngờ hay không. Nhưng mà khi mà X quang thì mình khi mà tổn thương rồi, cái giá trị nó không cao nhưng mà nó không nằm trong cái gói routine thì người ta phải làm của nó nhỉ. Tức là khi mà cậu quy định một cái gói routine, tức là đã là ung thư dạ dày bắt buộc phải chụp bụng và chụp ngực thì nó khác, nhưng cái đó nó sẽ làm sao mang lại cái kinh tế của nhân nó bị đẩy cao lên rồi. Và chỉ khi nào người ta nghi ngờ thì người ta làm, chứ không phải người ta làm đại trà tất cả các bệnh nhân. Thế còn nhưng mà bệnh nhân làm em thì cũng thấy được là siêu âm tim với cả là chụp một số được đo chức năng hô hấp thì siêu tìm ra chức năng hô hấp là cái mi lăng của khoa này, tất cả các bệnh nhân trước liều mà đều là siêu tìm, chứ không có một cái lý do cụ thể nào. Đấy là cái không hiểu, đấy là cái routine rồi, tức là tất cả các bệnh nhân phải đạt được cái mục tiêu mà tôi mới cho mổ để tôi sàng lọc. Bởi vì tôi đã gặp có những trường hợp là đi mổ xong bắt chết méo, chả hiểu vì sao cả, lúc hồi cứu lại là bệnh tim, bệnh hô hấp kém, sau mổ tràn dịch màng phổi. Thế nên là đã quy định là gì, tất cả các nhân trước khi được mổ đều phải siêu âm tim và khám tim mạch, bất kể tiền sử có vấn đề gì là để sàng lọc. Tất cả các cái protocol điều trị thì nó không giống của các cái trung tâm khác nhau, nó không giống nhau. Các cậu học chỉ là vấn đề gì, vấn đề về sách vở là những cái tất cả mọi người đều làm. Thế còn khi mà vào các cái cơ sở điều trị cụ thể, tùy vào cái hoàn cảnh, tùy vào cái khả năng của người ta thì người ta sẽ có cái protocol riêng. Ví dụ các cậu ở bệnh viện thì các cậu không thể nào có cái protocol như ở đây được, không thể đo chức năng hô hấp, không thể siêu âm tim được, mà làm tất cả đại trà như vậy được. Nhưng ở như chúng tôi cũng không thể nào làm sao làm đại trà tất cả, CT bụng, CT ngực được, chụp PET được. Nhưng có các cái cơ sở làm sao người ta có điều kiện, bệnh nhân có điều kiện thì người ta sẽ quy định là tất cả các bệnh nhân vào chụp hết, chụp pet hết, thì làm sao nó sẽ có những trường hợp đúng, có những trường hợp bắt được những cái như căn xa, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp là mình bị lãng phí. Vậy thì mình phải tùy vào cái tình hình, tùy vào cái cơ sở mình đang làm là ở đâu, có những điều kiện gì, đối tượng của mình là ai để mình chỉ định. Cái đó là cái mà các cậu sẽ phải học khi các cậu dài nghề. Thế còn tại thời điểm này các cậu là sinh viên, các cậu học về chuyên môn thuần túy về chuyên môn. Còn cái câu các cậu hỏi khi nào các cậu ra hành nghề, các cậu thể hiểu sâu sắc. Đấy, người ta bảo là gì, có phải làm, phải có
con biết lòng cha mẹ là mình như vậy. Còn bây giờ thì nó hơi xa rồi, không hiểu. Thế thì bệnh nhân này thì liệu mình có thể thay vì mổ mình từ trị hóa chất trước bệnh nhân được không, để cho mà làm hẹp, làm giảm hẹp, làm giảm khối u? Trong các cái phương án điều trị thì cái mổ bao giờ nó cũng là cái, trong các cái chân của mình ung thư, cái mổ là nó là cái phương án tốt nhất. Ý của bạn là điều trị hóa chất trước mổ, xong rồi mổ rồi mới điều trị hóa chất, ta làm như thế cả. Xong rồi lần nào cũng phải mổ. Vì sao mà như bây giờ điều trị hóa chất để làm gì, trong khi cái dạ dày là một cái tạng làm sao dễ tiếp cận, dễ dàng có thể lấy được, thì nó khác tùy theo các cái tổn thương, các cái tạng khác. Nếu mà bạn bị trực tràng, bạn bị ống hậu môn thì làm sao thì bạn có thể làm xạ trị, làm hóa chất trước, sau đó bạn làm cái hậu nhân tạo, thì bạn mổ lấy cái tổ chức sau thì mới được. Thế nhưng dạ dày làm sao nó độc đạo, từ mồm xuống nó độc đạo. Đấy thì và làm sao tạng nó ở nông, bạn có thể lấy được hết khối u đi, sau đó bạn điều trị hóa chất thì tốt hơn nhiều so với việc bạn làm hóa chất trước rồi bạn mới mổ sau, trừ khi có gì gan sai thôi. Không mà là cái chỉ định cắt 2/3 dạ dày trong loét ấy. Thì mình đọc sách cũng có là có con thể nong hoặc là stent. Thì khi nào nong, khi nào tôi chưa thấy đặt stent trong loét dạ dày bao giờ cả. Không có cái sao hẹp môn vị. Tôi chưa thấy ai đặt stent vào môn vị. Còn nong? Nong thì có. Nong làm sao có cái bệnh cái cơ môn vị. Nhưng cái nong này thì làm sao? Chỉ cái là nó dung lực bình thường thì bạn cũng có thể nong ra. Thế còn với cái lượng mà cái đầu máy soi nó có 8mm mà còn không chui qua được thì cái lượng thức ăn bạn vào nó không thể đảm bảo là nó xuống được. Có những trường hợp ở đây red, có những trường hợp tôi điều trị nội khoa đến 4-5 giờ mà tôi không hiểu. Vì sao tôi đánh giá là 6 giờ như bạn nói, 6 giờ nó sút nó xuống, nhưng mà sút nó xuống rất chậm bởi vì cái lỗ rất nhỏ. Thế còn để mà nong một cái tổ chức ung thư thì nó sẽ chảy máu. Loét thì còn khó nữa, loét nó co kéo toàn là sơ, nó không có cái độ biến, không có cái độ trương lực để bạn có thể nong được. Tất cả đều là vấn đề về lý thuyết, còn trên thực tế vẫn chưa thấy ai đi nong cái chỗ mà hẹp do loét. Và cũng chả ai điên dở hơi đi đặt cái stent ở đấy làm gì. Làm sao mình có thể làm các phương án đơn giản hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng nhất là gì? Nếu mà bạn lành tính là nối bị tràn, lời đấy một quay ruột thì nối là xong. Em thưa thầy, nếu trên thực tế chỉ là loét lành tính thì có chỉ định nối bị tràn chứ không phải cắt dạ dày không? Đúng. Hay muốn bị. Nếu loét lành tính. Có kèm cho cả cắt dây 10. Có chỉ định. Mua cái ngày xưa trong các sách các bạn đọc thì sẽ có thì nối bị tràn cắt dây 10, tức là cắt cái thần kinh chi phối cho cái tiết axit. Ngày xưa thì làm sao? Thời đất cái xa xưa ấy thì người ta làm sao mổ rất nhiều cắt dây 10 nối bị tràn rất nhiều. Nhưng bây giờ thì làm sao cái bệnh học nó biến mất hoàn toàn các cái bệnh đấy. Vì sao bây giờ người ta đã nghiên cứu được thuốc ức chế H cộng chọn lọc. Người ta uống thuốc là coi như là cắt dây 10 chọn lọc, siêu chọn lọc tại các cơ thần kinh. Như các cái bệnh mà hẹp cho loét thì bây giờ rất là hiếm. Một năm một khi thôi chỉ mổ đến 2-3 ca. Thế còn trong những trường hợp mà những bệnh nhân không đáp ứng cái thuốc thì tôi vẫn phải mổ lại, quay lại với cả thời kỳ ngày xưa, nối vị tràng cắt dây 10. Đây, cái bệnh nhân này, giả sử bệnh nhân là xác định được rõ ca dạ dày rồi mà sau khi làm giải phẫu bệnh xác định được TNM rồi, khi nào thì mình chỉ định làm hóa chất được T3 nhân. Trở lên là phải có chỉ định để chỉ hóa chất, có gì cân hạch là thôi. Chỉ cần chúng ta phải bất kỳ là cái bản. Mình xét được, em thấy là người ta có chia ra thành hình hạch D1, D2, D3 gì đó. Cái đó thì tổ mình làm nghề thôi, không biết được. Có cái mổ, có cái cầm dao. Vì sau khi mổ thì mình cần phải theo dõi cái tình trạng gì của bệnh nhân. Ví dụ như em
thấy một số bệnh nhân có trường hợp tắc ruột. Câu đấy là câu tôi hỏi cậu chứ không phải cậu hỏi tôi. Sau khi mổ thì cần phải theo dõi cái gì? Là các biến chứng sau. Thường những cái biến chứng thường gặp sau khi mổ. Hỏi cậu trả lời. Câu đấy là tôi hỏi cậu ấy. Đúng rồi. Trả lời luôn. Hỏi đến chi? Hỏi đến chi? Câu hỏi thi đấy. Thế nhá, tôi may cùng mình bên. La dernière que je vous ai vue, on regarde ensemble avec ce glossaire des termes professionnels, on va dire, des termes techniques, de spécialité et le nom des spécialistes correspondants. Hein. Là, c'est seulement en deux colonnes, ça suffit, hein, pas besoin d'aller au-delà. Où l'on prend, on s'intéresse à la spécialité médicale et à son officiant, donc le spécialiste. Bon, évidemment, c'est le B.A.B.A. à la base, mais évidemment, le français professionnel médical est très, 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 est beaucoup plus riche que ça, et va au-delà de cela, j'en parlais tout à l'heure avec collègue Anne, que nous allons voir petit à petit. Maintenant, on va s'intéresser à ces mots notamment, car beaucoup d'entre eux sont formés sur une base linguistique, lexicale, qui n'est pas du français pur, mais qui emploie une construction beaucoup plus ancienne, hein, d'origine grecque ou latine, comme vous le savez. Alors on va faire un petit TB, comme on dit, un petit travail dirigé, pour essayer de maîtriser ce type de mot qui théoriquement peut encore produire de nouveaux mots, hein, on en crée d'ailleurs assez régulièrement sur les mêmes bases, donc c'est un vocabulaire ouvert. Alors je vais écrire une série de mots au tableau que vous avez un bon niveau, donc vous les connaissez tous et vous en connaissez le sens, mais ça n'a pas tellement, ce n'est pas très important d'en connaître le sens, ce qu'il faut c'est simplement être capable de les observer. Je vais vous donner des consignes après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'en ai sélectionné 8. Oui. Remarquez que certains ne concernent pas nécessairement la médecine de façon intime. Quel mot vous ne connaîtriez absolument pas, j'aurais choisi des mots inconnus. Maintenant, je ne vais pas faire un pari sur cela, donc j'en ai choisi, peu importe. Ce que je veux
c'est qu'en les observant, en faisant un travail de, d'observation, vous êtes des scientifiques, donc c'est précisément un travail de scientifique que j'attends, le premier travail du scientifique, du chercheur est dans l'observation, la comparaison, afin d'établir des règles, n'est-ce pas? C'est ce que fait un biologiste, un naturaliste, c'est ce que fait vous-même, un médecin, essayer de classifier les phénomènes de la nature, les organismes, selon leurs points communs, leurs différences, leurs propriétés que l'on arrive à identifier. C'est ça un travail scientifique. Et je me demandais de faire exactement le même travail scientifique sur ce corpus de mots et, en, comme vous en connaissez un petit peu le sens, essayer de, d'induire, de, on dit, dans cette forme de raisonnement, c'est-à-dire de mettre en relief, je vais vous en donner 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 propriétés, 5 propriétés que possède ce type de mot. La propriété, je vous donne un autre exemple. Imaginez, on ne s'intéresse pas à des mots, mais on s'intéresse à des animaux. Voilà. Alors, je vous montrerai un corpus, non pas de 10 mots, mais une sélection de 10 animaux, et ces animaux seraient tous des reptiles. Voilà. Et je voudrais que nous travaillions sur les reptiles. De sciences naturelles et je veux qu'on travaille sur les reptiles, je vous montre des reptiles et à vous scientifiques, je vous demande de, d'identifier 10 propriétés, peut-être moins que ça, j'en sais rien, enfin bref, de ces reptiles. Alors qu'est-ce que vous en. Qu'est-ce que, après une observation de quelques minutes ou d'une heure, ou même une dissection ou un travail au laboratoire hein, avec un microscope, vous arriveriez normalement à déterminer que 1. Tous ces animaux ont des écailles, propriétés communes. Et c'est pour ça qu'on peut les dire qu'ils sont de la même, du même, de la même classe. 2. Ils ont sang-froid. 3. Blablabla, etc. Bref. Donc, ils ont suffisamment de choses en commun pour les mettre dans une catégorie commune, qu'on appelle une classe taxonomique. Reptiles. Bien. Voilà. Les oiseaux, c'est autre chose, etc. Bref. Donc, vous avez l'habitude, c'est un travail de scientifique. Alors là, c'est un travail de scientifique, mais de linguiste. De linguiste. C'est la même chose. On observe, on voit les choses qui sont communes, les choses qui bougent, hein, on compare, c'est la comparaison. La scientifique, vous savez que l'observation scientifique repose sur la comparaison, principalement. Donc on compare tous les éléments de ce corpus, et en les comparant, on va voir apparaître nécessairement certaines propriétés. Même si vous ne comprenez pas un mot de ces termes-là, vous allez voir apparaître certaines propriétés. Si en plus vous comprenez ces mots, certains d'entre eux tous, alors là, vous allez normalement avoir en main toutes les propriétés. Mais bon, et puis vous avez une connaissance de toute façon personnelle sur ces mots. Hein, je vous donne, dis simplement, que ce sont des mots d'un usage, évidemment réservé à un usage normalement scientifique. Certains sont tombés dans le domaine très 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 commun, celui-ci par exemple et celui-là. D'autres sont simplement d'un niveau de langage un peu soutenu, comme celui-ci. D'autres sont utilisés tous les jours. Bref, ils ont en commun, ça je vous le donne, c'est la consigne qui s'en va avec la consigne, ils ont tous en commun d'être des mots d'origine grecque, donc une langue ancienne, qui n'a plus rien à voir avec le grec moderne, mais même si elle ressemble beaucoup, et qui persiste dans la plupart des langues européennes, hein, comme je le disais tout à l'heure à votre que l'on retrouve aussi bien en français qu'en anglais, en allemand, en russe, en italien, en espagnol, en portugais, et dans beaucoup d'autres langues encore. Bref, voilà, c'est tout ce que je vous dis. Maintenant, essayez, dès que vous avez une propriété à me proposer, vous la dites. On ne va pas faire quelque chose en une heure, ce n'est pas un travail comme ça, c'est d'un TD. Donc, dès qu'il vous vient une idée, on en discute ensemble et on essaye de démontrer la validité de votre observation. Alors, avant de commencer, j'aimerais parler à l'une d'entre vous. C'est. Comment elle s'appelle ? Fougang, comment avez-vous su qu'il fallait venir à 6h30 aujourd'hui ? Je suis allée. Ah, c'est là que vous avez rencontré. D'accord. Non, parce que je veux dire pourquoi.
parce que j'ai envoyé un message à tout le monde, mais à vous, le message m'est revenu parce que l'adresse est inconnue. Alors l'adresse que vous nous avez fournie est incorrecte, alors est fausse, je ne sais pas, ça vient peut-être du secrétariat. Alors il faudrait que vous me donniez une adresse mail correcte. Je les ai envoyés c'est une mail parce qu'on a envoyé. Bon, ben non, c'est, je ne dis pas que c'est vous, je vous demande de la corriger. Alors par exemple, moi, votre email, j'ai rianoul149@gmail.com. Mais ça s'écrit d'une façon très 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 étrange. Alors, c'est pour ça que c'est impossible que ça se comprenne. Ah, c'est J, c'est pas N. Ah, déjà ça commence mal. Voilà. J'aimerais vous l'écrire exactement comme elle a été enregistrée. 149@gmail, donc c'est pas le problème, n'est pas, certainement, le problème n'est pas dans le domaine. Bien. Et, chose tout à fait unique. Non. Alors, je ne vois pas ce que ça vient faire. Je ne vois pas ce que ça vient faire dans une adresse email. C'est sûr. Je sais bien que ça ne vient pas de vous. Je me demande la bonne. C'est quoi la vraie? C'est pas N, mais c'est J. Là. Non, c'est pas N, mais c'est J. Voilà. Alors, moi, j'ai dit N, c'est sûr. Et comme ça, il n'y a évidemment pas ça. Ça, je l'avais compris tout seul. Oui. Sinon, c'est bon. Ça, tout de suite. Ah voilà, Ryan Jewel, c'est ça? D'accord, et pas Menac, évidemment, ça n'a rien à voir. Bon, ça y est, c'est réglé. Les prochains vont arriver. Alors, voilà, retournons à notre activité. Donc, je vous demande d'identifier 5 propriétés de ces mots, afin de bien comprendre à quoi ça sert. Ce que je vous demande, c'est qu'après, on arrive bien à comprendre leur fonctionnement. Et quand le fonctionnement devient très familier, alors là, leur apprentissage devient beaucoup plus simple et il devient même naturel. Il n'y a plus même besoin d'apprentissage. Ça devient plutôt une création permanente et une reconstitution par soi-même des mots du langage médical que l'on ne connaît pas encore, mais qu'on arrive à imaginer, à deviner. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre le fonctionnement de ces mots d'origine grecque. Fonctionnement qui présente quelques exceptions, on va voir, mais très peu. J'ai bien une exception. Alors, prenez votre temps, regardez. Vous avez des mots, Eureka, comme Archimède, grec célèbre, vous me soumettez. Excusez-moi, pouvez-vous expliquer l'activité qu'on doit faire? Je vous demande, en regardant ces 8 mots, d'essayer de relever 5 propriétés, c'est-à-dire 5 comportements, 5 caractéristiques. J'essaie d'utiliser des mots les plus proches de votre vocabulaire scientifique. C'est pour ça que j'utilise le mot de propriété. Mais 5 caractéristiques, si vous voulez, par exemple, 5 caractéristiques qui permettent de faire de ces mots un archétype. Voilà, un type, un, un, un
type. On va classer ces mots. Oh non, on va pas les classer, ils font partie d'une même catégorie. Ils font partie exactement d'une même catégorie. Ce sont des mots d'origine grecque. Et des mots d'origine grecque, ils font partie de cette catégorie, ça je vous le dis tout de suite. Je voudrais simplement savoir quelle caractéristique, quelle propriété permet de ranger tous les mots de cette catégorie dans cette catégorie. Je vous l'ai dit, tous les reptiles ont des écailles. Les écailles, porter des écailles est une propriété commune aux reptiles. Voilà. Tous les ailes, voilà, normalement les oiseaux, les ailes, tombent par exemple, ce sont des propriétés communes aux oiseaux. Voilà. Communes aussi à d'autres, mais en ensemble. Voilà. Voilà pourquoi le mot, par exemple, le mot chaise. Le mot chaise ne fera pas partie de cette catégorie. C'est un intrus. Là, il n'y a pas d'intrus. Si j'écris chaise, c'est un intrus. C'est un intrus parce que chaise ne répond pas du tout aux cinq propriétés dont j'attends la découverte de votre part. Le mot bouteille non plus. Vous voyez ? Le mot soleil non plus. Vous voyez, il y a des mots qui n'appartiennent pas à cette catégorie. Je veux savoir pourquoi. Ça, pourquoi le mot soleil et le mot chaise n'appartiennent pas à ces catégories et pourquoi le mot dermatologue y appartient. Que je n'ai pas écrit ici. Parce qu'il fonctionne de la même manière. Il obéit à la même typologie. Donc c'est un travail de typologie. Voilà, chercher les écailles, justement, les écailles de ces mots. Alors, dis-moi. Ces mots se composent en trois parties. Et voilà, on commence. Première propriété, ces mots sont... Alors on fait dans le général. Là, vous dites trois parties. D'abord, c'est dans les mots que j'ai choisis, c'est faux. Mais non, il peut y en avoir beaucoup plus. Tous les mots que j'ai choisis, sauf erreur de ma part, tous les mots que j'ai choisis se composent en deux parties. Mais on peut imaginer, par contre, des mots de la même catégorie qui... comprendrait 3 ou 4 ou 5 parties. C'est ça qui est la chose qui devient beaucoup plus compliquée, c'est que ces mots peuvent être de plus en plus longs. Alors, notre propriété, elle est quoi ? Ces mots, ces unités, décomposables, analysables, si vous voulez, c'est un autre terme que vous pouvez utiliser, en unité. On va dire constitutive, en composante. J'utilise encore des termes de Ritzing. Hein, sont décomposables en unité. En unité distincte. Voilà, hein, je l'écris bien, voilà, on a compris. En unité distincte, analysable, décomposable en unité distincte. Le mot en question est décomposable, analysable en unité distincte. Et on va tout de suite les distinguer pour le prouver. Bien que vous êtes la découvreuse de cette propriété, vous avez donc l'honneur de démontrer à vos... Le mot biologie, on peut diviser en bio, une partie, ouais. Et j. Ah, ça en fait 3 alors. Il y a bio et j, ça fait l'eau que vous en faites. Là, ça fait 3 là. Moi, je veux bien, hein. On n'a pas dit deux unités, on a dit en unité. En unité, j'ai oublié la S, excusez-moi, en unité distincte. Il peut y en avoir 3, hein, mais... Alors, c'est deux parties. Ouais. Le premier, c'est bio. Ouais. Et l'autre, c'est logique. Absolument. En voici. Première propriété. Première propriété. Pour la deuxième. Deuxième, je pense que c'est deux mots. On a un sang, un ici. Ici. Je veux appliquer cette propriété à tous les mots d'abord. Le TD devient TP. Bon, alors. Ok. Alors, là, justement, on va voir là le degré de complexité supplémentaire. Voilà. Télé. Parfait. Phone. Alors,
Alors phonographe ou phonographe. Phonographe. Hein. Alors on va plutôt faire hein, comme ceci. Voilà, je vous expliquerai pourquoi ensuite. Voilà, et la biographe. Très bien. Alors voilà, première. Première, maintenant il faut faire continuer les commentaires. Première propriété, effectivement, ces mots sont analysables, sont analysables dans des unités distinctes, qui sont ici au nombre de 2 ou de 3, si l'on, hein, si l'on considère la variété ici comme une unité distinctive, hein, distincte et distinctive, même distinctive d'ailleurs, parce qu'elles permettent, ces unités de les différencier. Donc elles sont non seulement distinctes, on les reconnaît, mais elles sont distinctives parce qu'elles permettent de séparation. Bien. Alors, un petit peu maintenant de savoir académique, parce que vous savez comment s'appellent ces unités distinctives. Si elles sont distinctives, c'est qu'il y en a 2 au moins différentes. Et là, on en a même vu 3. Alors, non, on les appelle les affixes. Les affixes. Très bien, alors, on les appelle les affixes. Les affixes. Vous allez voir ensuite de quelle manière. Ces affixes eux-mêmes se distinguent en plusieurs, en plusieurs variétés. Selon quelle propriété? On dit par exemple. Oui. Dans un mot. Leur position. En effet, quelles sont les positions possibles? Alors, ça s'appelle des affixes. Alors, ce sont des affixes que l'on trouve en position. Par rapport aux racines. Oui, alors utiliser des mots avant, c'est ça? Avant, on va dire position initiale, d'accord? Et dans ce cas-là, on l'appelle préfixe, d'accord? Centre. Médiane. Médiane, alors lesquelles ici? Si, donc. Oh. Eh oui, parce que vous allez comprendre à quoi il sert. Ce petit O qui est en fait quasiment une extension du préfixe, hein, parce que le préfixe devient, on lui donne une cellule supplémentaire, le graphe devient grapho, dès qu'il doit se coller à un autre, dès qu'il doit se composer. Donc, cette extension va avoir lieu d'un fixe, va jouer le rôle d'un fixe. Mais dans d'autres cas, ce sera beaucoup plus sensible et ce sera un affixe pur. par exemple, hydrophobogène. Bon. Alors là, j'ai un préfixe, hydro, j'ai un affixe, phobo, et j'ai un suffixe, phobogène. Voilà. Là, c'est beaucoup plus clair. Hein. Mais je ne voulais pas utiliser des termes beaucoup trop complexes, mais là, cette année, hein, un fixe. Et, encore une fois, hein, pré, c'est-à-dire avant, un in, ça veut dire dans, et puis en effet, la dernière position. Non, allez, on cherche un petit peu un autre, plus facile. Hein? La position initiale, médiane, finale. Position finale, et c'est le suffixe. D'accord? Et l'ensemble de ces 3 catégories s'appelle des affixes. C'est pas fini, hein. Vous avez là, on ne l'utilise pas parce que ça n'est pas pertinent dans notre campus, mais vous avez encore d'autres affixes avec des noms différents, hein, des postfixes, des rétrofixes, des athérofixes, il y en a plein, pour des langues autres. Bon, première propriété, ça c'est fondamental parce que c'est ce qui va nous permettre de maîtriser parfaitement ce phénomène linguistique. Ce sont des mots, des composables en unités distinctives, ces 10 unités sont soit des préfixes, soit des suffixes à 80% d'un usage fréquent, soit des infixes
de manière très utilitaire dans le corpus que j'ai choisi, ou alors, beaucoup plus fréquemment, dans un lexique vraiment hyper spécialisé. Mais cette spécialisation est la vôtre. Donc, ce n'est pas du tout une exception. Pour vous, c'est quelque chose qui est utilisé tous les jours. Je vous ai parlé d'hydrophonogène. Sa définition, son sens, c'est ça. Oui, alors on est déjà dans une approche sémantique, c'est-à-dire le sens du mot. On n'a pas besoin d'avoir une approche sémantique pour l'instant. On appelle ça une dénotation fixe, c'est ça, c'est ça. Oui, vous avez raison, mais là nous sommes déjà dans une approche sémantique. Je n'ai pas besoin de ça, je suis seulement formel. Seulement la forme. La forme suffit. Là, le sens, selon la force, le sens est différent. Le sens, vous êtes obligé, si vous avez une approche sémantique, là, vous êtes obligé de faire appel à d'autres instruments, par exemple un dictionnaire. Parce que là, rien ne vous indique quel est le sens, absolument rien. Si vous ne connaissez pas ce mot, c'est un mystère total. Par contre, cette première propriété, on n'a pas besoin de comprendre le sens pour la prévenir. Elle est visuelle, on a besoin. D'accord ? Vous voyez ? Et pourquoi on la voit ? Parce qu'elle se répète. Bio, pas besoin de connaître le sens, elle apparaît. Justement, si je regarde ça, biologie et biographe, une autre propriété apparaît. Oui. Je pense que ces mots se terminent toujours par la lettre E. Le final est similaire. Ce mot appartient à la même catégorie, mais ça ne pas par un. J'aurais pu l'ajouter, d'ailleurs, j'aurais pu déjà l'ajouter pour nous permettre de déterminer une autre propriété que j'attends parmi les cinq. Mais ça, c'était pour vous répondre non. Alors, c'est ma faute, j'aurais dû effectivement le mettre hein, plutôt que. Alors, attendez, on va changer. Tiens, ouais, on va le mettre. Voilà. Là. Et on va l'utiliser ici. Voilà. Hop, voilà, c'est bon. Voilà, ça se termine. Mais le CDR ne va tous par eux maintenant. Et on a toujours les mêmes propriétés des slabs. Les unités initiales se terminent par une voyelle, c'est ça? Oui, effectivement. Je cherche, donnez-moi 30 secondes, je vais vous trouver une contre-démonstration, mais je crois que vous n'allez pas dans le bon sens. Là. Vous êtes en train de chercher, d'aller dans le détail. Je vais chercher des détails. Par quelle lettre ça se termine? Est-ce qu'il y a plus de O? Toutes ces lettres ont 30% de O plutôt que de A. Tous ces mots voilà, ont une majorité de voyelles par rapport aux consonnes. Là, vous êtes dans une recherche complètement délirante. Ces lettres ont en moyenne, ces mots ont en moyenne 6 lettres et non pas 3. Non. Ce sont des choses qui relèvent plutôt de la réflexion, de l'observation et du fonctionnement. Des formes générales. N'essayez pas de chercher avec un microscope, vous n'en avez pas besoin. On a arrêté de compter les lettres, de regarder combien il y a de I, combien de O, combien de O. Ça n'a aucune importance. Ce que vous dites, ça termine, la lettre initiale termine par une voyelle. C'est tout à fait normal, puisque le français repose sur un découpage. La syllabe est composée de quoi? D'une consonne et d'une voyelle. Donc c'est toute la langue française qui est comme ça. Tous les mots devant vous... c'est pareil. Hein. Si vous analysez, ça va être la même chose. Hein. Le début quand termine par une voyelle, boum, il n'y a pas une consonne, taille. Quoi. C'est normal, c'est ça la syllabe. Non, des choses comme ça, vous voyez ça, c'est davantage un travail de
d'observation de décortiquage. Biographie. Regarde. Je vous oriente, n'est-ce pas? Je vous mets les couples qu'il faut un petit peu regarder pour essayer de comprendre. Alors, je vais vous demander d'être attentif à ce couple, à cette paire, n'est-ce pas? Et à cette paire. Voilà. Je vais même les indiquer pour pas que vous les oubliez. Hop. Voilà. Alors là, déjà, et je vous en fais un deuxième. Un deuxième. D'un côté, il y en a deux, l'autre côté, il y en a trois. Non, ma répétition quoi? Ma répétition des affiches. Ouais. Alors, essayez de me dire, ouais, essayez de m'expliquer en gros ce que j'ai dit là. Ces affixes donc, qui composent des mots, ils répondent à une nouvelle propriété. Biographe. Biologie. Mais je peux aussi avoir biographe, géographe, télégraphe, photographe. Et un petit peu plus loin. Oui, graphe. Vous avez d'un côté graphe et photo, géo, bio, graphe. Télé. Et d'un autre côté, biologie, graphie, thermie. À partir de cela, j'ai un petit peu enrichi encore plus, à partir de cela, on doit déterminer qui est une propriété. Ces unités distinctives, c'est qu'on connaît maintenant, ces affixes. Changer leur position. Pas encore, c'est pas cette propriété qu'on voit là, il n'y a eu aucune position changée. Bio est toujours initial, hein. Et graphe est toujours final, j'ai fait aucun changement. J'ai dit simplement biographe, télégraphe, photographe, géographe, biologie, biothermie, biographie. Connecté. Sophie. Ces unités, sont substituables, changeables, d'accord, substitution, ces unités donnent lieu, à donne lieu à des substitutions, hein, dans une même série. D'accord ? Dans une série. Alors, je vous montre. Substitution dans une série. Qu'est-ce que ça veut dire ? La série, c'est l'une des deux colonnes. Voilà, bio. Bon. Celui-ci reste. Celui-ci, on ne bouge pas. C'est notre pivot. Il reste fixe. Il reste fixe. Par contre, ici, là, j'ai autant de substitutions, pas autant théoriquement, de substitutions qu'il y a de notions à créer avec des mots dans cette scène. Alors, j'ai par exemple, là, j'ai la bio, qu'est-ce que j'ai ici, biologie, hop là, biographie, hop. Plein d'autres, un peu de biochimie, je pense que c'est ici, c'est lui qu'on a, on va garder notre campus pour ne pas tricher. Et puis, maintenant, si on va faire l'inverse, c'est ça qu'on va, on va substituer. Bio, je vais mettre géo, je vais mettre télé, hein, et puis là, je vais mettre graphe. Biographe, mot validé. Géographe, mot validé. Télégraphe, mot validé. Il n'y a pas de problème, ils existent tous les trois.
qu'est-ce qui a changé? Cette série-là, j'ai changé des termes dans la série. Comme ici, biologie validée, biographie validée, biothermie, biochimie, validée. J'en garde un et les autres, je les change dans une série. Alors, cette série, ce qui est important, évidemment, c'est de, d'admettre le principe qu'elle est ouverte. D'accord ? C'est une TVE à des substitutions dans une série. Elle est ouverte, dans une série ouverte. Voilà. Je cherche tous les plus beaux, les mieux, les plus compréhensibles. Hein, c'est l'idée de l'expérience avec des substitutions dans une série ouverte. Permettre. Voilà. J'essaie d'utiliser les mots les plus simples. Permettre des substitutions. Ou bien en position initiale, ou bien en position finale, ou bien en position médiane. D'accord ? Série. La série ouverte. Vous voyez ? J'ai une série de possibles. J'ai une série d'éléments possibles et je substitue. Je substitue ces éléments dans la série. Alors qu'est-ce que c'est que cette série ? Bah, c'est la série du préfixe, par exemple. La série du suffixe. C'est ça. Il y a toute une série de préfixes ici que je peux substituer. Là, il y a toute une série de suffixes. D'accord ? C'est ça. Bien, alors c'est notre deuxième propriété. Alors, je vais vous en suggérer une troisième. Vous allez regarder, évidemment, ça c'est plus facile. Oh bah tiens, ils sont l'un d'accord, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Bon. Pour devenir suffixe. Voilà, c'est tout. Oui, alors. Les affixes. Ouais. Les affixes. Changer la position. Absolument. Ils sont. Alors, elles sont les unités. Ils sont ou elles sont. Ils, parce qu'on va dire les affixes. Ils sont permutables. C'est ça la permutation. On change. Ils sont permutables. Mais attention, ils ne sont pas permutables à n'importe quel prix. Hein. Ils sont permutables au prix d'une légère modification. Hein. Et au prix d'une légère modification. C'est-à-dire qu'ils sont permutables, un suffixe devient préfixe. Alors, par exemple, graphologue, et je vais vous souligner le préfixe, devient géographe. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ils sont permutables et donc présentent deux formes différentes selon qu'ils sont en position initiale ou finale. En position finale, on aura toujours pour la forme de base graphe. En position initiale, on aura graphe avec un E comme ceci. En position initiale, on aura toujours graphe. PH, pas nécessairement avec le haut, c'est là que le haut devient un affixe, parce que tu peux voir par exemple graphique. D'accord ? Là, il n'y a pas de haut. Donc il ne fait pas partie de la forme de base de la racine. Hein ? Graphique, graphème, hein, voilà. Il y a d'autres mots qui permettent de ne pas utiliser de haut. Hein ? Graphème, voilà. Ça c'est un terme de la linguistique. Hein ? C'est pas médical, vous ne le rencontrerez jamais en médecine. C'est comme phonème ou graphème, bien. Bon, donc j'en conclue que c'est ça la forme, ça je vous le donne, on ne pouvait pas le savoir, c'est ça la forme que l'on peut identifier en position initiale, et ceci en position finale. Mais, si je regarde ça, eh bien, on va s'apercevoir que je n'ai pas tout dit. Regardez, maintenant,
Non, c'est ça qu'on va regarder. Et à partir de là, on va pouvoir arriver à notre quatrième propriété. Donc là, on a une approche sémantique. Là, on commence à avoir une approche sémantique. Et même grammaticale. Alors, expliquez-moi un petit peu mieux que ça. Il dépend en quoi? Qu'est-ce qui est soumis à variation? Alors, en ajoutant d'autres lettres. Ouais, d'autres lettres, ouais. D'autres lettres au suffixe. Ouais. On a d'autres différentes formes dans un même catégorie. Oui, comment vous les caractérisez ces formes? Qu'est-ce qui fait la différence? Un nombre ou un nombre. Variation. Il est variable, le suffixe varie selon la catégorie grammaticale. La catégorie grammaticale du mot à former. Par exemple. Et on peut évidemment créer un adverbe. Alors photographiquement, on n'a pas beaucoup de sens, mais on, avec un autre mot, on aurait tout à fait du sens. Hein. Bien. Et puis c'est pas tout. C'est un particule. Ah, un particule, ça dit article. Le, la. Ça veut dire, par exemple, on dit le photographe. Ouais. Parce que c'est un substantif masculin ou féminin, c'est une, donc aussi la photographe. Un ou une photographe. Mais attendez, c'est pas fini. Il varie selon la catégorie grammaticale du mot à former, d'accord? Et aussi il varie selon la valeur et la valeur, la nature sémantique, c'est-à-dire le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Substantif. Photographe est un substantif. C'est un substantif, c'est un nom commun. D'accord, tout le monde comprend le mot substantif? C'est un nom commun. Je parle plutôt de contraire nom commun, on va nom commun, vous comprenez? Nom commun, voilà. Photographe, d'accord? C'est un nom commun, photographe. Et donc voilà, c'est la catégorie grammaticale nom commun. Alors que photographier, c'est un verbe, et photographique, c'est un adjectif. Bon, maintenant je change. Photographie. Photographie, c'est aussi un nom commun. Mais on voit que ce n'est pas le même. Pourquoi ce n'est pas le même? Parce que la catégorie grammaticale, elle est la même, mais la forme change parce que la valeur sémantique n'est pas la même. Photographe est un agent. Photographie est une discipline, une technique, une action, tout ce que vous voulez. Donc là, ce n'est pas la valeur grammaticale qui change, puisque les deux sont des noms. Un nom masculin, un nom masculin, peu importe. Un photographe, une photographe, ça ne change pas. Mais photographie est aussi un nom. Même valeur, même catégorie grammaticale. Par contre, ça n'a pas la même valeur sémantique. Ça n'a pas le même sens. Le photographe est un agent de la photographie. Celui qui exerce la photographie. Qui, elle, est
une technique, un art, une action, un loisir, tout ce que vous voulez, mais est une, on va dire plutôt une action, un processus. La valeur. Vous voyez, là, c'est très 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 riche. Pourquoi c'est riche? Et tout fonctionne, ça c'est la propriété du français et des langues flexionnelles comme le français, tout fonctionne par dérivation. Vous voyez? Photographe, photographie, photographie, photographier. Tout fonctionne par dérivation. Alors, pour vous, c'est la grosse difficulté. Puisque le vietnamien n'est pas une langue flexionnelle, mais une langue isolante, et les choses sont totalement différentes. Vous avez un mot qui va déterminer si c'est l'agent ou si c'est la technique. D'accord ? On va voir ça après, parce qu'on va faire un peu de traduction à la fin de notre activité. Bien, donc voilà, voilà notre quatrième propriété. Et là, c'est une propriété qui est véritablement liée au fonctionnement du français, et non plus du grec. Parce que ça, ça reste du grec. Ce sont des mots français qui sont d'origine grecque, mais qui suivent une logique grecque, en fait. Parce que photo, enfin photo, c'est un petit peu différent, mais géo. Géo tout seul n'a aucun sens. On ne peut pas dire, ah tiens, je marche sur la géo. Non, pas du tout. Ça ne va pas. Oh là là, est-ce qu'on pourrait augmenter un peu la thermo? Non, ça n'a pas de sens. Hein, ça ne va pas. Bon, alors... Ces mots deviennent utiles lorsqu'ils sont mis ensemble dans une composition, mais ils gardent leurs caractéristiques grecques. Ce ne sont pas des mots du français. Bio tout seul n'existe pas. Oh, quelle belle bio. La bio est belle. Non, ça n'a pas du tout. La bio, il a mené une bio, il a mené une bio héroïque. Non, ça n'a pas de sens. Donc, ça c'est du grec. Et ça reste soumis à la logique du grec. Par contre, cette propriété, là, c'est la rencontre. C'est ce grec devient un mot français. Et d'où l'intérêt, parce qu'on est vraiment en classe de français. Je ne fais pas un cours de grec. Je n'ai aucune ambition, capacité, ni même objectif de faire ça. C'est bien du français. Et voilà, parce que c'est pour ça. C'est du français. Et ça varie selon exactement les mêmes caractéristiques que le français. Et bien entendu, le verbe... Va présenter autant de variations que présente un verbe français dans ses différentes formes, selon son temps, selon son mode, selon la personne. C'est pour ça que nous avons je photographie, tu photographies, nous photographions, je photographiais, je photographierais, que je photographie. Oui. Donc, on a une transformation permanente. Le grec a été jeté dans le laboratoire du français et il subit les mêmes transformations. Bien. Maintenant, dernière propriété. Là, je parle des propriétés faciles, hein. Un linguiste en verrait peut-être 50. Là, celles qui sont évidentes. Dernière propriété, oui, c'est ça, je vais vous oublier. Alors là, on a besoin de comprendre le sens de tous ces mots. Si on ne comprend pas le sens, cette propriété passe à côté. C'est pour ça que j'ai choisi quand même des mots assez simples. Bon, alors maintenant, considérez. Le sens de ces mots, hein, considérer la signification de ces mots, ayez en tête leur signification, regardez leur forme, et à partir de là, doit apparaître une propriété nouvelle. Par rapport au sens. Sens, forme, sens, forme, sens, forme, et là doit apparaître une propriété nouvelle, notamment si vous comparez ces mots aux autres mots du français. Ah, il faut être sûr de comprendre ce que ça signifie. Sémantique et grammaticale. Comme ça, ça va beaucoup plus vite pour arriver à cette propriété. Et là, il faut comprendre la signification.
La nature. L'étude, ouais. Du vivant, on va dire plutôt, parce que c'est le genre, vous voyez, tout ce qui regroupe toute forme de vie. Quoi, voilà. On dira généralement l'étude du vivant. Bien, vous avez déjà, dans votre définition, vous avez déjà la propriété qui apparaît. Alors pourquoi l'étude ? Parce que c'est le terme qui nous parle veut dire l'étude. Logie. Alors, vous dites l'étude du vivant, parce qu'effectivement, ce mot s'est mis par logie, et que logie, bah, on va, voilà, on le sait, hein, logie va être donc l'étude. D'accord ? Hein ? Alors, en vérité, logie a lui-même connu une longue évolution. Je vous dis ça parce que vous allez peut-être pouvoir trouver ce mot dans d'autres constructions, ça vous semblera bizarre que ça signifie étude. Un logie, à l'origine, ça veut dire c'est le discours. En grec, logos, c'est le discours. Et évidemment, vous allez comprendre l'évolution. Hein. Le discours, bah, c'est ce dont je parle, ce que je dis. Bah, ce que je dis, le discours que je produis, c'est celui de mes connaissances. Hein. C'est la connaissance que je produis. Donc, logis est devenu discours, est devenu connaissance. Hein, connaissance est devenue étude, spécialité, etc. Chez les Grecs, tout est dans le discours. Tout est dans la parole. Les Grecs sont des gens de parole. Ce qui n'est pas mis en parole n'existe pas. Que ce soit parlé, organisé dans un discours. Si on n'est pas capable d'organiser sa pensée dans un discours, la pensée ne vaut rien. C'est du néant. C'est pour ça que le mot discours et le mot étude et le mot connaissance sont complètement les mêmes. Dans l'étude, vous m'avez dit l'étude du vivant. Alors où il y a le vivant ? Parce qu'il y a le mot bio. D'accord ? Le mot bio qui signifie. De manière générale, la vie. La vie, ici le vivant, l'ensemble du vivant. Bon, alors la propriété, elle est là. Vous me dites, le mot biologie veut dire l'étude du vivant, parce qu'il se termine par logie et qu'il commence par bio. C'est pas logique ce que vous me dites. L'étude de la vie, c'est ça, ou du vivant. Vous regardez le vivant, si vous voulez. Bon, c'est ça ? Ben, normalement, ce mot devrait dire du vivant l'étude. Ah, le sens est invier. Et voilà notre propriété finale. Et voilà, dans les mots, tous pratiquement, il y a des exceptions, attention, mais on va garder ce principe comme un principe de base, même s'il y a beaucoup d'exceptions, nous les verrons, notamment dans les mots très très fréquents. Dans les mots d'origine grecque, le sens doit être lu de droite à gauche. En termes plus grammaticaux, le déterminé précède le déterminant. 5. Le déterminé, c'est du. Et le déterminant, son complément du nom, c'est du vivant. Donc le déterminé. Le déterminé précède. Le déterminant. On va faire une petite analyse de tout. Le déterminé procède des déterminants, donc on doit décortiquer ce mot. Du vivant, l'étude. Du vivant, l'étude, et ben c'est évidemment l'étude du vivant. Du vivant, l'étude. Photographie. On va faire d'abord réellement dans le sens initial. Photographie. Graphie. Ah, vous voyez, quelques éléments à maîtriser. Graphie. Terrain. Pardon ? Terrain. 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 Non. Alors, là, je viens vous tromper. Pourquoi terrain ? Parce que vous pensez à géographie. Vous pensez à géographie. Donc, vous dites qu'il y a une relation avec terrain. Mais là, c'est photographie. Quelqu'un rapporte. Il faut essayer de voir. Il y a du sens, hein. Le sens est clair. Quand on connaît la signification, le sens est clair. L'image. Ah non, parce que là, vous savez qu'une photo, c'est une image. Donc, ça veut dire image, graphie, non. C'est comme les collections. Hein ? C'est comme les collections.
c'est... Bon, alors mettez-le avec d'autres mots qui vont éclairer votre compréhension. Photographie, je vais le comparer à orthographe. 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 Ça, c'est ortho. C'est pas grave. Moi, c'est grave qui m'intéresse. Cinématographe. Aujourd'hui, on dit cinéma. Mais le mot original est cinématographe. Dessiné. Pas mal, ça s'approche. Télégraphe. C'est pas de l'art, télégraphe. C'est comme des descriptions pour. L'exposition. Écoutez, vous êtes des médecins. On en a plein. Mammographie. Électroencéphalogramme. Gramme. Graphie. Imagination. Imitié. Alors là, vous allez me dire image. Moi, j'ai électronique, évidemment, parce que c'est ce que c'est. Bon, on va arrêter le suspense. Graphie. Graphe. Vient d'un verbe grec. Graphein. Qui est une graphie. Oui, c'est ça. Eh oui, qu'est-ce que c'est que la photographie? C'est l'écriture de la lumière. Regardez comment fonctionne un appareil photo avant la révolution numérique. Avant la révolution numérique. Puisqu'aujourd'hui, dans la révolution numérique, les téléphones, les appareils numériques fonctionnent de façon tout à fait différente. Mais. Prenons ce qu'était un appareil photographique à l'époque où il était inventé. C'était une chambre noire, comme on l'appelait, hein, vous connaissez ça, vous êtes scientifique, avec une plaque argentique qui a les propriétés de réception et la lumière venait imprimer l'image qui était captée. C'est pour ça que la photographie s'appelle l'écriture de la lumière. De la lumière, l'écriture. En bref, c'est toujours la même chose, de la lumière. Alors, vous n'êtes pas allé très loin parce que vous ne vous souvenez plus de vos cours de physique. Vous avez appris ce qu'étaient les photons. Oui. Et les photons, ces particules, voilà. Ces particules de lumière qui voyagent et transportent de l'information, hein, et nous permettent de calculer le temps, notamment. Bon, les photons, ben voilà, c'est ces particules de lumière. Bon. Vous voyez tout ça, c'est... Le vocabulaire d'origine grecque est partout dans les disciplines scientifiques, en langue européenne, bien sûr. Mais vous allez voir tout à l'heure que, même en langue non européenne, c'est important de les connaître. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, de la lumière à l'écriture, allons-y. Log est donc le spécialiste, hein, là c'est l'agent de logis, l'agent de la logis, donc le spécialiste, celui qui connaît, ça, le spécialiste de l'écriture. Alors. Ça demande une explication en contexte. Qu'est-ce que c'est que le graphologue? Je crois que ça n'existe pas au Vietnam encore, et tant mieux. Tant mieux. Les études graphologiques sont des études qui consistent à essayer d'analyser, de connaître la psychologie d'une personne à travers sa manière d'écrire. Par exemple, on regarde Daniel, on dit, voilà un homme, je ne sais pas, qui est particulièrement ceci ou cela, très dangereux en société, ou je ne sais pas quoi, très ceci, très cela. Parce que le « et » voyez, comme ça, parce que son « t » est agressif, oh là là, il y a certainement beaucoup de femmes, voilà, c'est une dame. Ça, c'est la graphologie. Bon, est-ce que ça mérite... vraiment du crédit, j'en sais rien, mais ça existe, et parfois malheureusement même dans des conditions tout à fait contestables, par exemple dans les entreprises, la plupart des graphologues travaillent dans les entreprises et sont là pour analyser les lettres de motivation et les CV écrits à la main. C'est-à-dire, tiens là, ah non, ça faut pas recruter, ça c'est pas bon, c'est pas possible. Bon. Bref, graphologie, géographie, alors voilà, maintenant ça devient clair. L'écriture. De la terre, voilà. Et en fait, c'est l'écriture de la terre au sens propre. Les signes que la terre produit. Quels sont ces signes? Les montagnes, les fleuves, les forêts, etc. Les déserts, voilà les signes, voilà les lettres que la terre a produit elle-même
à d'autres connaissances. Tout le miracle grec, comme on l'appelle, toute la démarche des Grecs était une démarche scientifique, il ne faut jamais l'oublier. Les Grecs ont passé leur vie à mesurer le monde autour d'eux, à essayer de le comprendre. C'est à cette époque que véritablement naît la raison. Hein. C'est le pouvoir de la raison, à l'époque grecque. Tout doit être réduit, compris, analysé par la raison humaine. Donc c'est à une grande époque, mais c'est pour ça que les Grecs avaient beaucoup de dieux, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir un seul dieu. C'était quelque chose d'incompréhensible, quand même. Puisque c'est la pensée qui explique tout, c'est pas Dieu. Les dieux, c'est pour décorer, mais c'est la pensée qui explique tout, c'est la pensée qui permet de tout mesurer. Donc la Terre. Grâce à ça. Bref. Téléphone. Alors là, il y a une petite. C'est pas trop logique dans la construction. Là, on. Phone. Oui, le son, la voix. Il y a beaucoup de. C'est très large, hein, le sémantisme est très très large. C'est le son, c'est la voix. Quand on dit aphone, là ça vient du langage médical. Souvent les professeurs souffrent d'aphonie, là ça devient la voix, le son quand c'est le téléphone bien sûr, ça peut être la langue, vous êtes francophone. Hein? Et bien sûr télé, immobile, à distance, voilà. Donc la voix à distance, alors à distance la voix, bon pourquoi pas, effectivement, téléphone, on a également le télégraphe, vous voyez, je change de la série, télégraphe, hein, l'écriture à distance, vous connaissez aujourd'hui. Ça n'existe plus, c'est tellement dépassé par la révolution du numérique et de l'Internet. Le télégraphe n'existe plus, il n'y a plus d'avenir. C'était là. Et puis ça partait. Hein, et puis on recevait un petit papier. Phonographe, et ben voilà deux permutabilités. Phone devient phonographe, hein, étant suffixe ici. Qu'est-ce que c'est qu'un phonographe? Ça n'existe plus non plus aujourd'hui. Enfin si, ça existe encore, mais c'est un objet de collection ou de musée. C'est pour les amoureux qui collectionnent cela et achètent assez cher, même si aujourd'hui on a recommencé la construction des phonographes. Phonographe, c'est un... Hein? C'est quoi? Postcard. Ah non, le phonographe, c'est ce qui permettait... C'est d'écouter de la musique, le disque, vous savez, le disque qu'on mettait sur un appareil. Cet appareil, on tournait. C'est ça. C'est ce qui écrit le son. Avec la... il y a le diamant qui vient toucher le disque de résine. Vous êtes trop jeune peut-être pour l'avoir connu. Un phonographe qui enregistre le son et le grave, l'écrit sur... voilà, bref, géothermie, on va parler du parlement, on va utiliser toujours le nom, hein. Hop, hop, hop. C'est la température de la Terre. C'est pas la température, ça, c'est la chaleur. C'est la chaleur de la Terre, c'est-à-dire la chaleur produite par la Terre, hein. De la Terre, la chaleur, hein. C'est toujours cette construction qu'il faut, de la Terre. Le premier mot est un complément du nom, de la Terre... De la lumière, de la vie, hein, de l'écriture, hein, généralement, donc de la terre, la chaleur, et biographie, de la vie, l'écriture, c'est quand on écrit, on raconte la vie de quelqu'un. L'histoire de quelqu'un, l'histoire de la vie de quelqu'un, biographie, et on peut là créer un mot en trois parties, hop, autobiographie, hein. L'autobiographie, c'est quand on raconte l'histoire de quelqu'un par lui-même. Et là, vous avez tout. Bien. Alors, cette cinquième propriété, va nous intéresser particulièrement. Pourquoi? Parce que en français, le déterminé ne précède pas le déterminant, c'est le contraire. N'est-ce pas? Comme on vient bien d'ailleurs. Hein, on utilise le déterminant, puis. C'est ça, le déterminant, puis le déterminé, c'est-à-dire voilà, l'écriture de la vie, etc. Mais pourquoi on apprend tout ça? Ça sert à quoi? De quoi? Ça sert à quoi? On apprend tout ça.
Eh bien, ça sert à comprendre parfaitement les mots quand on les rencontre. Ça sert, eh bien, je vais vous dire à quoi ça sert. Ça sert à ne pas être obligé de prendre le téléphone et de chercher le mot, par exemple, je ne sais pas, des dossiers politiques, traduits en vietnamien. C'est à ça que ça sert. Parce que ça vous sert, c'est pas tout, il n'y a pas que ça à apprendre. Moi aussi ça. Parce que ça, tout seul, c'est un principe de fonctionnement. Ben maintenant, il faut connaître les éléments. Et si on ne connaît pas les éléments, ça ne sert à rien. Donc, ceci est le mode d'emploi. C'est le mode d'emploi, comment on utilise la machine. Et maintenant, ben, il faut le carburant, il faut les verres. Mais, ce que je voulais en dire, c'est que ça, ce n'est pas complètement inconnu. Je demandais à votre collègue tout à l'heure, Anne, si vous étudiez également le chinois. Parce que, en chinois aussi, c'est comme ça. On a déterminant, déterminé, ou déterminé. Regardez. Pas comme un expert, mais suffisamment pour voir les similitudes. Hein? Alors, nous vivons l'étude. Moi, je suis moitié chinois. Eh bien, c'est parfait, vous allez nous servir de consultant. Mais on n'a pas besoin nécessairement de... du chinois pour démontrer ça. Le vietnamien nous suffit. Si je vous écris, par exemple... c'est du grec dans la logique. C'est exactement la même chose. De l'eau, la dynamique, la force. Et qu'est-ce qu'on va écrire en grec? On va appeler ça hydraulique, par exemple. Ça me dépend. Les écarts de traduction sont permis. Mais on va utiliser. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est pour ça aussi que je vous enseigne cela. Parce que là, on a un moyen d'équivalence. Tous les mots, sauf quelques exceptions qui m'ont échappé jusqu'à présent, mais je suis prêt à faire le pari, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Tous les mots qui, en vietnamien, sont exprimés en Han Viet, le son en français, en grec. C'est du 100%. Donc, c'est une propriété supplémentaire, sauf que là c'est pas une propriété, c'est simplement une ressemblance, d'accord? Alors là on remarque, c'est pareil, de l'eau, hein, là c'est le complément du nom, hein, c'est pas de l'eau, là ceci, d'accord? Donc c'est ça qui détermine, hein, le déterminant précède le déterminé. Bien. Alors, à partir de cela, si d'ailleurs on devait traduire ces mots en vietnamien, nous aurions toujours une structure sino-vietnamienne, presque toujours, sauf quand on n'en a pas besoin, parce qu'on a créé un mot nouveau. Pour ça, je parlais tout à l'heure du travail qu'ont fait les lexicographes chinois au début du 20e siècle, ou les lexicographes japonais à la fin du 19e siècle, pour trouver des équivalents à toutes les notions scientifiques modernes issues des révolutions scientifiques du 18e et 19e siècle. Et donc, c'est là où les affixes grecs, hein, jouent également un rôle dans la pratique du vietnamien. Dans un autre domaine, hein, mais ça suit la même logique. Alors maintenant, ça c'est un petit mémo, une sélection, petite sélection, mais... voilà. Petite sélection de... d'affixe. Alors ça, il faut le garder précieusement. Et petite sélection, sinon ça fait un grand. Waouh. Beaucoup. Non, mais attention, il y a le latin aussi. Hein. Il y a le latin. Le latin qui présente moins d'importance et de difficulté. Pourquoi? Parce que le latin est vraiment
totalement incarné dans le français. Le latin est totalement dans le français. On peut utiliser tous les jours repartir, ça c'est du latin. Vous voyez, donc c'est très très simple. C'est très 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 simple. Alors je vous laisse découvrir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous proposer un autre petit exercice juste après. Pas longtemps, vous allez vite. Vous allez sortir, c'est le moment. Après, j'ai un autre exercice à vous proposer. Chuyển từ gia Tuấn ở nhà nó gãy mất ngòi. Gãy ngòi. Thôi chuyển.
Thế thầy bảo là không phải Hà Nội sao? Em kém đi. Wow. Fic. Non, c'est pas possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je n'ai utilisé que des mots grecs et thermophique. C'est un cocktail avec un préfixe grec et un suffixe latin. Ce qui existe, il y a certains mots du français qui sont formés comme cela, très peu. Et il y en a surtout un qui a une grande fortune, le mot de sociologie. C'est le seul. Voici un mot bâtard, comme on dit, sociologie, qui a un préfixe latin et un suffixe grec. C'est l'un des rares. Les autres, on essaie d'éviter. Alors, thermophique, c'est une véritable horreur. C'est tout à fait horreur parce qu'on sait que. Et pourquoi c'est une horreur? C'est surtout inutile. C'est surtout inutile parce que thermophique existe. Si vous dites thermogène. Là, c'est du grec-grec. Si vous voulez un mot totalement latin, il existe, c'est calorifique. Calorifique. Calor, c'est la chaleur. Calorifique. Si vous regardez dans votre mémo, je suis sûr que vous allez le trouver. Oui, si vous le souhaitez. Moi, je n'ai pas voulu parler de latin jusqu'à présent. Comme je vous l'ai dit, le latin est beaucoup plus présent dans la langue française et ne nécessite pas, selon moi, une initiation particulière. Mais effectivement, il y a des mots comme fic, comme cid, comme. Enfin, il y en a plusieurs, que l'on rencontre régulièrement. Alors, thermogène, si je veux l'avoir en latin, par exemple, ce sera calorifique. Mais c'est un mot qui existe, qui est cohérent, calorifique, à ne pas confondre avec calorique, qui a la même base, à la même origine, calorique, donc qui donne des calories. C'est pareil, hein, calorie, c'est la chaleur, c'est l'énergie. Hein. D'énergie. Donc, calorifique s'emploie très peu. C'est un mot qui est cohérent, qui existe, mais il s'emploie très très peu, parce qu'on l'utilise à la place thermogène. Quelquefois, il y a un double lexique, on va en voir quelques-uns ici. Un double lexique, on peut utiliser soit le mot latin, soit le mot d'origine grecque, ça ne pose pas de problème. Mais souvent, l'un l'emporte sur l'autre. Donc, par exemple, c'est celui-ci qui l'emporte, thermogène. Monsieur, ouais. Si on a un préfixe, un suffixe, comment on comment on. Il y a une liaison là, on travaille sur les liaisons aussi. Comment si, c'est l'origine latine ou l'origine. Parce que c'est écrit dans votre. C'est écrit dans le document. J'essaye de bien faire les choses et c'est écrit dans notre document.
composition par préfixe, tout d'abord préfixe tiré du grec. Et puis ensuite, il y en a deux ou trois pages comme ça. Et puis on a donc le numéro 3, préfixe d'origine latine. Et puis ensuite, à la page suivante, composition par suffixe. Potien, suffixe d'origine grecque. Et enfin, petit 2, mot latin employé comme suffixe. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on le sent. Il faut les apprendre par cœur. Non, parce que l'apprentissage du par cœur n'est jamais très efficace. Selon moi, il faut plutôt les fréquenter. C'est-à-dire regarder, essayer de trouver du plaisir à les voir, consulter ce document à chaque fois que vous trouvez un mot qui est construit selon ce modèle pour essayer de voir s'il est dans votre liste. Et s'il n'y est pas, l'ajouter. Voilà. Non, il ne faut pas apprendre par cœur, c'est stupide. L'apprentissage par cœur est valable quand c'est une répétition que l'on peut tous les jours utiliser, les tables de multiplication par exemple. C'est peut-être la seule chose qui nécessite un apprentissage par cœur. Les tables de multiplication, les notes de musique éventuellement, mais certainement pas les mots d'origine grecque. C'est le meilleur moyen d'aller vers l'échec, ça. D'accord, ça, je suis pas sûr. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. Garde et gêne, tout à fait. Pourquoi pas dire regarde? Parce que, oui. Parce que, en fait, ces deux suffixes peuvent avoir le même sens, mais on va pas les utiliser nécessairement dans la même série sémantique. Et dans ce cas-là, c'est plutôt dans gamie qu'on va l'utiliser. Hein, par exemple, c'est quoi cryptogamie? Cryptogamme, c'est ça? Qu'est-ce qui est cryptogamme? Quel est l'exemple? Cryptogamme. Cryptogamme. Mais parce que c'est un mot quasiment unique. Il y a certains mots qui ne font pas de famille comme ça. Donc c'est quasiment unique, qu'on utilise très très peu. Mais effectivement, il y a plusieurs suffixes qui ont le même sens quelquefois. En tout cas, pour la production de quelque chose, on va privilégier gène. Vous l'avez dans thermogène, vous l'avez dans hydrogène. Vous l'avez dans beaucoup, beaucoup d'autres, dans plein d'exemples, tandis que gamme sera d'un usage beaucoup plus exceptionnel. Mais effectivement, il a le même sens. On va voir d'autres exemples comme ça. Hein. J'essaie d'en trouver un avec gamme qui est plus fréquent quand même. Parce que là, il n'est vraiment pas. Le problème aussi de gamme, pourquoi je ne souhaite pas vous l'enseigner, parce qu'on va le confondre avec l'adjectif de gamie. Par exemple, polygame, monogame, qui ne signifie pas du tout engendrer, mais qui signifie femme. Donc polygame, avoir plusieurs femmes. Monogame, n'avoir qu'une seule femme. Donc, le gamie de cryptogamie est tout à fait exceptionnel. Parce que la plupart du temps, gamme est l'adjectif de gamie qui vient de mariage avec une femme. On va voir, bon, d'ailleurs il y en a qui est près de là. Bon, il y a plusieurs couleurs, c'est aussi niveau bébé. Il y a plusieurs couleurs. Moon. J'attends que les couleurs polychromatiques, on va dire polychrome plutôt. Polychromatique existe, hein, mais c'est une autre nature de mot. Hein. Polychrome, en fait, quand on parle d'un... Là, c'est un mot qu'on utilise, par exemple, en histoire de l'art. Hein, là, je vous dis, il n'y a pas de mot tellement du vocabulaire médical. Hein. Thermogène, c'est vraiment un truc en technologie. Polychrome, on l'utilise en photographie, une pellicule polychrome. On l'utilise en histoire de l'art, quand on parle d'un... Ah voilà, au Vietnam, par exemple, dans la pagode de... Voilà. La pagode de Taïphon, par exemple, qui est une pagode dans laquelle il y a la plus grande collection nationale au Vietnam de sculptures sur bois polychrome. C'est-à-dire, ce sont des sculptures bouddhiques, donc évidemment, alors on voit Avalokiteshvara, tout ça, la Kolkhoze, mais et beaucoup d'autres divinités du bouddhisme en bois et un bois peint. Même s'il reste quelquefois seulement quelques pigments, c'est du bois peint. On appelle ça du bois polychrome. Un bois avec
Un bois à pain ou un bois de couleur, ça dépend. Donc voilà un exemple in situ. La pagode avec cette grande collection de bois polychrome. Bien. Là aussi, nous avons le cousin latin. Multicolore. Multicolore. Voilà. Alors là, le problème, c'est qu'on n'utilise pas l'un comme l'autre indifféremment. Quand j'ai parlé tout à l'heure de bois polychrome, qui est donc une expression qu'on utilise beaucoup en histoire de l'art, on n'utilise pas de bois multicolore. La multicolore va être utilisée pour autre chose. Une toile multicolore. Par exemple, un tissu multicolore. Bon, qui veut sur le temps, niveau CP. Chronométro. Chronomètre. C'est l'agent. L'agent, et qu'est-ce que c'est que le chronomètre? C'est ce qu'on a sur notre montre ou sur notre téléphone qui permet de calculer le temps qui passe. Petit aparté culturel. Là, c'est un nom propre qui est devenu un nom commun en grec. Chronos. Chronos qui veut dire le temps en grec. Chronomètre, je calcule le temps. Chronos, c'est celui grec, aussi, c'est dire le temps. Mais Chronos, avant de vouloir dire le temps, c'était un dieu. C'était le dieu du temps. Voilà. Le dieu a donné le nom de ce dieu, Chronos, à la chose qui l'empêche. Bref, qui a peur de l'eau. Ah, voilà le premier élément qui est du registre médical. Qui a peur de l'eau? Hydrophobe. Vous vous trompez à chaque fois sur les... Par contre, si je voulais hydrophobie, je n'aurais pas donné comme définition qui a peur de l'eau. J'aurais dit... On est mille. Jugement. Pas maladie, mais c'est pas un dérèglement qui entraîne la peur de l'eau. Mais c'est la salle. Qui a peur de l'eau, là, c'est un agent. C'est la personne qui a peur de l'eau. La chose, l'outil qui mesure le temps. La chose, l'objet qui a plusieurs couleurs. La technique, l'outil également qui produit la chaleur. Alors. Oh, je me demande si vous aviez, si vous pouviez faire le précédent. Là, j'ai un doute. Là. J'ai l'impression que je voulais faire un piège. Non, il y est. Il y est, qui se nourrit de bois. J'ai eu un petit peu peur. Xylovore. Non, pas xylovore, parce que xylo, c'est du grec et vore, c'est du latin. Xylovore. Hein? Je vous ai dit qu'il n'y a que du grec ici. Xylophage. Xylophage. Alors, si on voulait le construire en latin, on pourrait le faire, mais ça sera un mot nouveau, donc il n'est pas utile de le faire. Ça serait l'égnovore, mais c'est pas très beau. Ça n'existe pas, laissons-le dans le néant. Par contre, xylophage existe. Alors, pour quelle raison parle-t-on de... Là, c'est maintenant, il faut comprendre le contexte. Xylophage. Pourquoi par contre xylophage? Qu'est-ce que ça veut dire? Xylophage. Comment est-on amené à créer ce mot? Eh bien, xylophage, c'est un mot qui est utilisé en science, évidemment, pour, en zoologie, notamment en entomologie. Entomologie, l'étude des insectes. On a désigné certains insectes qui se nourrissent de bois, dont certains, malheureusement, qui existent au Vietnam. Par exemple, chez moi, les termites que l'on entend la nuit, c'est insupportable et ça fait des trous dans les bibliothèques. Le termite, c'est parce que là, le termite est un insecte aussi. Il y a tous les insectes, évidemment. Bon, voilà un exemple. Et bien, scientifique, on n'utilise pas ce terme au café, entre amis, mais il existe. Il y a plusieurs faces. Multivore. Voilà. Polyèdre.
Alors évidemment, là on peut décliner tout le nombre que l'on veut. Icosa èdre, etéca èdre, epta èdre, enfin tout ce que l'on veut. Hein, les choses tout à fait incroyables. Voilà. Qui a plusieurs formes? Là c'est le même, hein, polymorphe, qui a son cousin. Poly. Multiforme. Alors on peut dire voilà, mais multiforme, mais ça c'est pas très beau. Non, 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 on n'utilise pas parce qu'il est justement pas beau. Mais c'est comme ça qu'on devrait le construire. Hein. Polymorphe. Qui n'a pas d'aile? Aptère. Alors là encore, on va se dire pour quelle raison utiliser ce mot. Pareillement, en sciences naturelles, en zoologie, c'est l'adjectif qui désigne certains oiseaux. Les oiseaux aptères sont en réalité des oiseaux qui ont des ailes, sans quoi ce ne seraient pas des oiseaux, mais des ailes qui ne leur permettent pas de voler. C'est le cas par exemple du pingouin. Le pingouin est aptère. C'est le cas de l'autruche, le plus grand oiseau du monde. Le plus grand oiseau du monde a des ailes, mais ne peuvent pas lui permettre de s'envoler, il est trop lourd. Le pingouin est un excellent nageur, mais ne s'envolera jamais. D'autres oiseaux, comme le kiwi par exemple, symbole de la Nouvelle-Zélande, le kiwi a également des ailes, mais totalement atrophiées, qui ne lui permet pas de s'envoler. Bref, beaucoup d'oiseaux, en fait, sont des espèces aptères, qui possèdent des ailes, mais ces ailes ne leur permettront jamais de s'élever, même à une petite... Alors, maintenant on va faire le contraire. Anthropophage. Hein? Qui mange de l'homme? Qui mange de l'homme? Alors on va utiliser un terme un petit peu plus compréhensible. Qui se nourrit de chair humaine? Voilà. Chair. Chair. Voilà. Chair humaine. Anthropophage. Chair, la viande. Mais on va utiliser quand on parle d'homme, on va plutôt utiliser de chair. La viande, c'est ce que l'on vend chez les bouchers ou au supermarché. La chair, voilà, ça c'est du vocabulaire plus médical. La chair, c'est ce qui constitue les tissus. Bien. Alors, qui se nourrit de chair humaine, anthropophage? Bon, qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient ce mot? Ben, il existe, on l'utilise beaucoup dans le registre justement de l'anthropologie, l'étude de l'espèce humaine, de l'ethnologie, l'étude des populations, des... Officiellement, l'humanité ne compte plus d'anthropophages, de sociétés anthropophages aujourd'hui. Elles ont toutes disparu, mais par le passé, il y avait des groupes humains qui se nourrissaient occasionnellement de chair humaine. Même si l'anthropophagie, normalement, est un tabou commun à l'humanité entière, il y a eu des petites exceptions. La dernière société anthropophage que l'on ait rencontrée vivait en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Mondougoumors, ils ont disparu dans les années 1930-1940. Aujourd'hui, il reste encore des anthropophages. Ce ne sont pas des sociétés, ce ne sont pas des peuples, mais des individus qui sont psychopathes. Vous connaissez par exemple le film Le silence des agneaux, il y a un dénommé Hannibal le cannibale. Cannibale, c'est du latin. Ça veut dire anthropophage. Cannibale, on peut le dire. Le cannibalisme, cannibale, c'est comme anthropophage, c'est quelqu'un qui va... Hannibal de cannibale, ça c'est bien encore. Un psychopathe, ça veut dire... Qui souffre de troubles psychologiques. Qui souffre de troubles mentaux. Mentaux. De troubles de l'esprit, de troubles psychologiques, des erreurs de tête. Qui souffre de troubles, on va simplifier, qui souffre de troubles mentaux, de troubles psychiques, exactement. Hein. Psychique plutôt que psychologique. Troubles psychiques, troubles de l'esprit. Bien. Voilà un psychopathe. Voilà un autre mot du registre médical. Il n'y a pas de psychiatre parmi vous, mais il pourrait s'en trouver. J'ai comme élève. Les autres. Zoomorphe. Comment on prononce ce mot? Zoomorphe. Qu'est-ce que c'est? Merci.
d'animal. D'un animal. Une forme d'animal, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? On parle de zoomorphes dans plusieurs types de registres, notamment en histoire de l'art. On parle des sculptures zoomorphes, hein, c'est-à-dire des sculptures qui représentent des animaux, tout simplement, contrairement aux sculptures anthropomorphes, qui représentent des humains, notamment les sculptures du bouquet chinois, les sculptures de la dynastie Shang, la plus ancienne dynastie de Chine, sont des sculptures zoomorphes qui représentent des chiens, en général. Autre registre, les dieux zoomorphes. Dieu de l'Égypte ancienne. Sagittarius. Ah non, ça c'est plutôt le monde grec. Non, les Sagittaires, c'est le monde grec. Effectivement, le Sagittaire a un corps de cheval, mais ce n'est pas un dieu. Les dieux zoomorphes, ça c'est dans la mythologie égyptienne, hein, notamment le dieu Anubis, qui est un homme avec une tête de coyote. Le dieu Ibis avec un oiseau, le dieu, il y en a plein, Thoth, il y en a beaucoup, qui ont des corps humains et des visages d'animaux. Thalassothérapie. Ah, j'ai pris, tiens, j'ai changé. D'habitude, je me suis trompé. D'habitude, j'écris thalassocratie, mais c'est plus facile. Oui, c'est le traitement, le principe de la maladie thalassémie. Non. Maladie de quoi? Thalassémie. Ah, la thalassémie. Non. Voilà, traitement. C'est un traitement au moyen. Au moyen de l'eau. Plus exactement, de pain. Parce que la thalassothérapie existe sous forme de pain, de baignade prolongée, bain d'eau froide, bain d'eau chaude, bain d'eau de mer, bain d'eau mélangée à de la boue, etc. Ça se passe sous forme de cure, hein, dans des ce qu'on appelle cures thermales. La thalassothérapie. D'habitude, au dernier moment, j'ai changé. D'habitude, j'utilise thalassocratie. C'est un bon historien. Là, c'est mieux. Qui en fait? C'est une sorte d'animal qui a en même temps le ventre et les ailes. Absolument. Chiroptère. Chiro, c'est la main. Ptère, c'est l'aile. Donc les mains ailées ou les ailes qui se terminent par les mains. C'est une famille. Une famille, une variété en effet d'animal qui sont très nombreuses au Vietnam, notamment à Hanoï et notamment sur la terrasse qu'on peut voir ce soir. Ça serait la variété Zoï. Chauve-souris. Donc les chiroptères, en fait, c'est la famille des chauves-souris. Chauves-souris, normalement je devrais mettre un S à chauve, mais je ne sais plus si la réforme de l'orthographe a supprimé le S ou pas. Je ne veux pas faire de faute, je vérifie ça tout de suite. Les chauves-souris donc appartiennent à la famille des chiroptères. Je vais vous tenir au courant, attendez, sur la réforme de l'orthographe. Des chauves-souris, on va dire avec le S. C'est bon. D'accord. Alors, chauves-souris avec S. Polyandrie. C'est le fait qu'une femme qui a plusieurs de mari. Exactement. Voilà. Le fait d'avoir Marie. Poly, donc plusieurs. Andros, c'est l'homme. L'homme masculin, j'entends, le mâle. Polyandre, ça serait l'adjectif. Hein, polyandre, une femme qui a plusieurs maris. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Encore un vocabulaire de l'ethnologie. Le contraire est beaucoup plus fréquent. Polygame, polygamie. La polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs épouses.
ce qui était encore autorisé, ce qui était autorisé dans le Vietnam ancien et interdit aujourd'hui, mais ce qui est encore possible dans certaines sociétés musulmanes particulièrement riches et aristocratiques. Bon. Alors la polyandrie, par contre, a totalement, à ma connaissance, disparu, mais a existé dans certaines sociétés matriarcales ou dans les légendes, les fameuses Amazones des Grèces, justement, les fameuses Amazones étaient polyandres. Allophones, enfin, on ne voit pas ce que vous voulez dire. C'est une voie étrangère. Le Québec, vous le savez certainement, est une province francophone du Canada. Et dans cette province, vivent, cohabitent des citoyens qui ne parlent pas tous la même langue, ne sont pas tous francophones. La moitié d'entre eux sont francophones, moitié ou plus de la moitié, mais plutôt la moitié. La moitié est francophone, l'autre moitié est anglophone, même au Québec, hein, même dans la province de Québec. Province officiellement francophone, où tout est écrit en français, mais une partie de cette population est anglophone de langue maternelle. Elle parle français comme vous, parce que vous êtes aussi francophone, mais leurs parents parlaient anglais, notamment la moitié ou la majorité des gens qui vivent à Montréal. Bien. Et puis, il existe une autre population ayant acquis la nationalité canadienne, issue de l'immigration. Ces gens sont. Certains sont également francophones et anglophones, mais d'autres ne sont ni l'un ni l'autre. Parlent espagnol, par exemple, arabe, chinois ou vietnamien, majoritairement. Ce sont les langues les plus parlées parmi les allophones, c'est-à-dire ni francophones ni anglophones. Et ces gens allophones sont très 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 importants pour la vie politique du Québec. Pourquoi ? Parce qu'à trois reprises, et surtout la dernière, il y a une dizaine d'années, j'ai oublié. Il y a eu un référendum, hein, le parti nationaliste québécois, le parti du Québec, a obtenu la possibilité de faire un référendum, c'est-à-dire un vote, pour savoir si la population québécoise continuait son destin comme province du Canada, ou alors accéder à un pays, et devenait un pays, un nouveau pays à l'ONU, le Québec, avec évidemment l'angle officiel du français. Ce type de référendum est dans l'actualité, puisque dans quelques jours, les Catalans en Espagne vont voter pour quelque chose d'à peu près équivalent. Et par le passé, d'autres pays l'ont fait. Tous ces référendums, la réponse qu'il a gagnée a été non. C'est-à-dire, non, nous voulons rester. Voulez-vous quitter le Canada ? Non. Donc, c'est pourquoi que les Québec est toujours une province du Canada. Pour les nationalistes, ceux qui veulent évidemment quitter le Canada et devenir indépendants, pour les nationalistes québécois, cette victoire du non a été causée par les allophones. Pourquoi ? Parce que les francophones sont un petit peu majoritaires. Et parmi les francophones, il y a des gens qui veulent rester dans le Canada. Et même parmi les anglophones, il y a des gens qui veulent l'indépendance du Québec. Même une toute petite proportion. La majorité des francophones veulent être indépendants. La majorité des anglophones souhaitent rester dans le Canada. Et ça balance. Mais les francophones sont un petit peu plus nombreux. Pourtant, ils perdent à chaque fois, parce que les allophones, eux, ont quand même une préférence, non pas tellement pour l'anglais et le français, ça n'a aucune importance pour eux. Ils ont une préférence parce qu'un passeport canadien est quand même beaucoup plus important qu'un passeport québécois. Ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison. Parce que l'économie du Canada, de toute façon, sera beaucoup plus puissante, quoi qu'il arrive, que l'économie du Québec. Le Québec, on fait des lumières, c'est tout. Donc, souvent, ces allophones d'origine portoricaine, brésilienne, chinoise, arabe, hésitent, sont un peu tonnaillés, parce qu'ils aiment beaucoup le Québec, ils parlent français aussi, mais ils se disent, bon, ça serait quand même mieux de rester canadien, et ils votent généralement non. Voilà. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, c'est indifférent, j'en sais rien. Voilà donc le terme allophone, qui, dans d'autres conditions en France, aucun Français ne connaît ce mot. Ça n'a aucun sens. Mais les Québécois le connaissent. Voilà. Donc voilà, petit TD sur les mots d'origine grecque. Je n'y reviendrai pas, d'un point de vue, en tout cas, grammatical.
grammaticale académique, je n'y reviendrai pas, regardez ça, parce que par contre, ces mots, on va les retrouver. On va les retrouver presque toutes les semaines. Alors, la semaine prochaine, même chose, je serai revenu par un conseil de classe, vous venez donc à 6h30, et après, il n'y aura plus de problème avant le mois de mars. Et nous rattraperons, bien entendu, les 2 heures de perdu, lors de la prochaine intercession. Toutes les 7 semaines, vous savez, l'école de langue ferme, et il n'y a pas cours, et bien avec moi, il y aura cours. Ça sera le 3 janvier, exactement. Donc, il n'y aura rien de perdu. Il n'aura rien de perdu, mais la semaine prochaine, vous venez à 6h30 en commun. Je vous le rappelle.